Donc aujourd'hui, c'est la vie d'Esther Blondin. Esther Blondin qui a fondé les Filles de Sainte-Anne. Donc on va voir, elle, que d'après toute sa vie, ça a été une vie d'humiliation. Parce qu'on va voir qu'elle va perdre tous ses titres, même de fondatrice. Dans le fond, elle va vivre une petite vie de sœur comme les autres, au milieu de tous les autres. Et c'est seulement 65 ans plus tard, 65 ans même après sa mort, que là, elle va revivre. Puis que là, qu'elle va renaître vraiment comme fondatrice. Mais au cours de sa vie, ça peut être une fondatrice de premier plan. C'est celle plutôt qui s'est complètement effacée pour le bien de sa communauté. Donc, Esther Blondin est née à Terrebonne, donc c'est au Québec. Elle est née le 18 avril 1809. Elle est née d'une famille de 12 enfants, mais dont 7 vont mourir en bas âge. Elle est la troisième enfant. Et sa mère lui a dit une chose. Elle dit, Esther, oublie pas, n'oublie jamais l'anniversaire de ta naissance. Parce qu'elle dit, sur 100 enfants qui auraient né dans les mêmes conditions, il y en aurait eu seulement 10 qui seraient vivants. Donc, elle faisait partie des 10 qui ont resté vivants. C'est-à-dire qu'il n'aurait 90 de morts s'il avait vécu, s'il était né dans les mêmes conditions qu'elle, elle est née. Et ça, elle va toujours garder ça. Elle va toujours remercier le bon Dieu et sa mère va remercier le bon Dieu. Donc, elle va toujours, sa mère va être une éducatrice de la foi. Souvent, les moments, c'est là que ça commence. Hein? C'est sur les genoux de la maman que commence l'éducation religieuse et elle aussi. Hein? Ça va être la même chose. Et d'ailleurs, c'est d'elle qu'elle va, tout ce qui concerne sa piété, cette dévotion, ce culte qu'elle a développé des âmes du purgatoire, son amour des pauvres, tout ça va le recevoir vraiment de sa mère comme un héritage. Et à 12 ans, elle aussi, la première communion, comme beaucoup de saints, la Jésus-hostie va avoir une grande importance dans sa vie. D'ailleurs, elle va dire un petit peu plus tard, pour elle, Jésus-hostie, c'est comme le ciel sur la terre. Donc, ça en dit beaucoup. Et le jour de sa première communion, elle aussi va être profondément touchée par Jésus hostie. Donc ça, ça va la suivre au cours de sa vie. Et dans le fond, ce sera aussi une consolation au milieu de toutes les humiliations dans lesquelles elle va être plongée. Et elle va être analphabète jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, on pourrait dire que c'est un peu drôle dans le sens qu'elle va fonder une communauté justement religieuse, mais une communauté religieuse qui s'occupe de l'éducation des enfants. Mais elle-même sera analphabète jusqu'à l'âge de 20 ans. Où là, elle va rentrer au pensionnat du couvent de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame. Et là, elle ne restera pas là seulement comme pensionnaire, mais elle sera postulante. Ça veut dire qu'elle voudra être religieuse. Et puis là, c'est là que, par contre, la Providence, comment va organiser les choses, c'est que déjà, elle a une santé assez fragile de base. Et au pensionnat, elle va se donner beaucoup de mortifications, hein, comme beaucoup de saints, là, les mortifications, mais sans que ça paraisse, par exemple, à l'extérieur. Mais par contre, beaucoup de mortifications. Et entre autres, elle va dire qu'elle avait placé une planche sur son lit. Elle avait placé une planche pour dormir sur le dur. Donc ça, c'était une de ses mortifications. Et même est allée même jusqu'à s'infliger une blessure avec une chandelle, une brûlure. Elle va toujours dans sa chair sentir les douleurs, comme un peu comme le Christ sur la croix. Et puis même, elle va entretenir cette blessure-là. Et là, quand elle va rentrer au couvent comme tel, bien là, elle va continuer dans ce sens-là, les grandes mortifications, etc., etc. Et c'est là qu'elle va voir son erreur, parce que là, ça va tellement aggraver sa santé qu'elle va être obligée de quitter. Ils vont être obligés de lui dire, à cause que sa santé, là, elle a pris un coup. Et par contre, voyez-vous, c'est une éducation en même temps, parce que comme le Seigneur, voyez-vous, avait ses vœux, elle ne pensait pas d'être devenir fondatrice, mais là, elle va voir qu'il y a une chose qui est plus importante encore que les pénitences. C'est l'obéissance. Et c'est peut-être ça la plus grande pénitence, la pénitence de l'obéissance, c'est-à-dire pas choisir sa volonté, pas faire sa volonté. Et ça, dans le fond, c'est une leçon que le Seigneur va y apprendre qui, dans le fond, va l'aider à diriger ses filles. Parce que quand elle sera à la tête de la communauté, elle devra réprimer un petit peu les ardeurs. Là, parce qu'on est quand même dans une époque où on est habitué à, tu sais, à son corps, là, on ne le flatte pas dans le sens du poil, comme on dit, on lui donne des bonnes mortifications. Donc, elle va reprendre ses forces tranquillement, et là, c'est une autre de ses compagnes, Suzanne Pinault, qui, elle, est entrée, elle aussi, dans la congrégation de Notre-Dame, elle aussi va en sortir, et puis là, elle se trouve à Vaudreuil, puis elle enseigne, et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, et c'est là qu'elle va demander Esther Blondin de venir l'aider dans cette tâche-là.
et c'est, elle va s'y rendre. Et bien là, bien entendu, ce n'est pas une communauté. Et ça plaît beaucoup au curé, le curé Archambault, parce que lui, il a travaillé beaucoup pour l'éducation des jeunes, beaucoup pour l'éducation des enfants. Et ça va beaucoup le plaire de voir que deux jeunes filles, même si ce n'est pas une communauté religieuse, donc deux laïcs, qu'on pourrait dire, qui se donnent pleinement pour l'éducation des enfants. Et par contre, un an après son arrivée, finalement, Suzanne Pinault va être appelée, elle, à quitter Vaudreuil pour à Beauharnois, où elle va aller enseigner là-bas, mais sans que, justement, leur amitié soit brisée. Parce qu'on va voir que lorsque Esther Blondin fonde sa communauté, une des premières appelées, ça sera justement Suzanne Pinault qui va venir la rejoindre. Mais par contre, en attendant, c'est Esther Blondin qui se trouve à la tête de l'Académie. Il appelait ça un institut, une académie. Puis même, qui va porter son nom, l'Académie Blondin. Et puis là, tout de suite, ça va franchir, la réputation de cette académie-là va franchir les d'autres villages. Et là, on va venir d'un peu partout, vous le voir, que les enfants viennent prendre leur éducation au pensionnat là, à Vaudreuil. Donc, en 1843, elle est choisie aussi comme présidente des filles de Marie Immaculée. On va voir, tranquillement, le bon Dieu prépare le chemin, parce que là aussi, l'œuvre va être sous la protection aussi de Marie. Va être sous la protection, bien entendu, de Sainte-Anne, mais va être sous la protection aussi de Marie. Et là, les Pères au Blas viennent juste de fonder cette association-là des filles de Marie Immaculée, et elle en sera présidente pendant plusieurs années. Et à la fin de l'année scolaire 1846-1847, sa santé, on l'avait dit, qui était un peu déficiente. Donc là aussi, elle devra restreindre ses activités et même le médecin la force à un grand repos. Et c'est là qu'au cours de cette retraite forcée, qu'elle va penser à son projet. Que là, le bon Dieu va l'inspirer de fonder vraiment une communauté, vraiment, pour enseigner pour les enfants. Parce que, comme elle dit, elle va relever un passage de l'Écriture dans les psaumes, qui dit, c'est-à-dire du prophète, qui dit « Les petits ont demandé du pain, il ne s'est trouvé personne pour le leur donner. » Et là, c'est là qu'elle va vouloir fonder justement cette académie, cet institut-là des filles de Sainte-Anne en vue de l'éducation des enfants. Mais là, elle, pour son époque, il y a quelque chose qu'elle va rajouter. Parce qu'habituellement, les communautés religieuses de femmes s'occupaient des jeunes filles. Mais elle avait s'occuper des deux, à la fois des garçons et des jeunes filles. Donc là, c'était un peu une révolution là, pour son époque, là, qu'une communauté de religieuses s'occupe à la fois des garçons et des jeunes filles. Et là, mais par contre, ça va écouter beaucoup, parce que là, elle va méditer ça, ce projet-là, mais comme plusieurs qui sont appelés, ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à se garrocher comme ça, là, automatiquement. Donc là, même, c'est au coup de grandes douleurs, puis même de grandes angoisses, parce qu'une des jeunes filles, lorsqu'elle était à l'académie, va surprendre la future fondatrice au pied du crucifix, puis vraiment, là, elle va voir qu'elle est vraiment dans une grande douleur, puis dans une grande angoisse. Mais finalement, elle va se décider à exposer son projet de fonder une communauté au curé Archambault. Et puis là, par contre, il va la mettre en garde. Il dit, d'accord, vous voulez fonder une communauté, mais attendez-vous à souffrir ce que souffrit la mère des douleurs au pied de la croix. Fait que lui, il annonce le morceau, ça va être quelque chose, tu vas souffrir comme Marie au pied de la croix. Et dans le fond, c'est un peu une prophétie, parce que quand on sait là, un petit peu sa vie, là, on se rend compte que vraiment, là, ce que le curé vient de dire là, dans le fond, c'est ce qu'elle va vivre, elle, tout au cours de sa vie. Donc, attendez-vous d'avoir des... Puis il veut même pas prendre la responsabilité de dire, oui, ça vient du bon Dieu, puis allez-y. Il s'en remet à Mgr Bourget. C'est Mgr Bourget de Montréal qui était là, donc un saint évêque. Et puis là, il va s'en remettre à lui. Même, il l'invite plutôt à aller le rencontrer. Et puis là, lui, il avait rédigé une lettre dans laquelle, justement, il expliquait qu'il était un petit peu Esther Blondin, puis toutes les années, parce que là, ça faisait déjà une quinzaine d'années là, qu'elle enseignait là-bas. Et puis là, elle décide d'y aller, finalement, elle va rencontrer Mgr Bourget. Et Mgr Bourget va lui dire trois choses. D'abord, au début, c'est comme, tu sais, s'il essaye de la tester, là. Par toutes sortes de questions, puis là, elle essaie d'y répondre, tu sais, du mieux qu'elle peut. Puis là, finalement, elle se rend compte que, oui, c'est sérieux, que son projet est sérieux. Donc, il dit trois choses. Essayez, voyez,
et ne cessez pas de prier. C'est ça qu'il faut dire, trois choses. Essayez, voyez et ne cessez pas de prier. Essayez, voyez les personnes qui voudront se joindre à vous et cependant ne cessez pas de prier afin que Dieu bénisse votre œuvre et que, conduite avec intention pure, elle profite à sa gloire et à votre salut. Donc, essayez, voyez et ne cessez pas de prier. Et c'est là qu'en retournant au cours de l'été, elle va commencer à identifier des jeunes filles, soit comme étant présidente de la congrégation des filles de Marie, de Marie Immaculée. Donc, elle va détecter des jeunes filles qui pourraient se joindre à elle. En plus, bien, comme directrice de l'Académie Blondin à Vaudreuil, elle va aussi identifier des jeunes filles qui vont pouvoir se joindre à elle. Et finalement, ils vont être au début de septembre, ils vont déjà être 7 jeunes filles avec elle pour débuter. Et c'est là qu'ils vont demander au curé de leur écrire au curé Archambault, parce que, puis même, c'est ça qui est drôle au début, c'est qu'il va être, parce que comme c'est lui qui écrit les lettres à Monseigneur au début, là, c'est l'abbé Archambault qui écrit les lettres à Monseigneur Bourget, finalement, c'est comme si Monseigneur Bourget le prenait comme étant, lui, le fondateur là, de cette œuvre-là, alors que tout vient de Esther Blondin. Et là, c'est là qu'elle, elle s'en remet, voyez-vous, toujours à l'obéissance, parce que ça va être une chose dans sa vie, l'obéissance. Puis même quand on va lui demander plus tard, parce que les titres religieux vont lui demander, qu'est-ce qui est le plus dur d'observer? Elle va dire, c'est ça, c'est l'obéissance. Et elle, toute sa vie va être marquée, toute son œuvre va être fondée sur l'obéissance. Donc, à chaque fois, elle se refait, quand elle a un point ou quelque chose, elle se refait constamment à Monseigneur Bourget. Parce que dans le fond, M. Archambault, lui, c'est un curé de campagne, mais tellement débordé par sa charge que finalement, il n'a pas le temps beaucoup de s'en occuper de ces jeunes filles-là. Donc, tout repose surtout sur les épaules d'Esther Blondin, qui, elle, va s'en remettre la plupart du temps à Monseigneur Bourget quand il y a des points à éclaircir. Et là, elle demande pour commencer son œuvre, voyez, à M. Archambault, comme elle l'appelle, pour y exposer un programme de vie. Donc, eux autres, ils voulaient être d'abord sous la protection de la Vierge Marie et de Sainte-Anne. Donc, d'abord, ils vont s'appeler les filles de Notre-Dame de Bon Secours et de Sainte-Anne. Oui, mais dans ce temps-là, il faut dire qu'avec Mgr Bourget puis tout ça, il y avait beaucoup autour de justement Notre-Dame de Bon Secours, beaucoup, une grande dévotion puis tout ça. Donc, c'est pas étonnant qu'on leur ait donné ce nom-là. Donc, les filles de Notre-Dame de Bon Secours et de Sainte-Anne. Et finalement, bien, ils vont devenir tout simplement les filles de Sainte-Anne, mais toujours sous la protection de Marie. C'est pour ça que quand ils prendront un nom de profession, parce que quand on rentrait en religion, on prenait toujours un nom, il y aura toujours Marie. Elle, ce sera Marie-Anne pour la fondatrice, un autre Marie-Jeanne de Chantal, Marie-Christine, il y aura toujours le nom de Marie. Et là, comme directrice, bien, ils vont nommer Esther Blondin. On va voir que tout ça va changer assez vite quand Mgr Bourget va tout prendre ça en main. Et comme costume, bien, tout simplement, les jours de fête et les dimanches, la robe noire, tout simplement, pour commencer. Et sur semaine, ils pourront finir d'user leur robe de couleur. Donc, ça ne faisait pas en moins de 10 semaines. En moins de 10 semaines, il y avait déjà 38 jeunes filles qui s'étaient présentées pour entrer, 15 qui se sont rendues dans la maison, et tous d'excellents sujets, remplis de talent et de vertus. Donc, voyant que là, M. Archambault, voyant que tout ça est en train de se fonder, là, il écrit de nouveau à Mgr Bourget, là, il demande de venir. Et c'est lui qu'il n'apposera pas d'abord tout de suite. Il ne déclarera pas tout de suite communauté comme telle, mais par contre, il va vraiment approuver leur projet de vie au départ. Et c'est là que Mgr Bourget va faire une visite. Il va passer 2 jours avec ses filles. Et c'est là que, de concert avec la fondatrice, il arrête le choix du costume. Et pour des raisons que lui seul connaît, c'est là qu'à la grande surprise générale, au lieu de nommer comme directrice Esther Blondin, il va nommer une jeune fille de 29 ans, c'est Angèle Lefebvre, de 29 ans, qui va devenir la supérieure. Et Esther Blondin, elle va s'occuper des postulantes et des novices. Elle va s'occuper du noviciat. Elle va être maître économe et maîtresse des novices. Et c'est ça le coup de théâtre. Mais c'est toute sa vie. Ça, c'est toute la vie. Ça fait juste commencer, là. Mais c'est l'histoire de toute sa vie. Et ça va être comme ça constamment. On va toujours la déposséder de ses titres, de ses fonctions, pour toujours la ramener toujours à l'humiliation, toujours dans l'humilité.
Donc, coup de théâtre, donc Monseigneur Bourget qui la nomme seulement économe, et elle, elle devra obéir à une jeune fille de 29 ans. Alors qu'elle, à ce moment-là, elle a une quarantaine d'années, là, à ce moment-là. Et c'est ce qu'on dit ici. Donc, durant les 24 premiers mois de son institut, la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne aura commandé un peu moins de 8 mois. Et les 16 autres, elle aura obéi en silence à 4 jeunes directrices dans la vingtaine, dont 2 auront mis fin à leur mandat en réintégrant le foyer paternel. Donc, une fondatrice aurait eu la responsabilité d'une œuvre sans détenir l'autorité. Donc, ça, c'est les débuts de l'œuvre. Ça commence. C'est pas approuvé officiellement encore Monseigneur Bourget, mais il lui dit, allez-y, hein, il est en accord avec ça. Et tout ça sous la protection de Sainte-Anne. Et donc la communauté à l'été de 1850 aura 36 aspirantes postulantes comprises. Et le 8 septembre 1850, c'est là que Monseigneur Bourget va approuver la communauté. Parce que c'est là qu'il va appeler les premières à faire leurs vœux, les premiers vœux, là. Ce sera le 8 septembre. Et le 8 septembre, ce n'est pas n'importe quelle fête, c'est la fête de la Nativité de Marie. Hein, c'est ce qu'il dit. Il entre sans doute dans les vœux, parce que lui était venu prêcher une retraite, parce que chaque fois que les religieuses rentraient en retraite de 9 jours, et là, à la fin, avant la fin des 9 jours, le cinquième, ça se trouvait être le cinquième jour de la retraite, Monseigneur Bourget dit, non, au lieu d'attendre à la fin, on va faire ça le 8 septembre, c'est la fête de la Nativité de Marie. Il dit, il entre sans doute dans les vœux de Dieu que votre communauté naisse à la vie religieuse en l'anniversaire même de la naissance de Marie, fille de la bienheureuse Anne. Et c'est seulement à la fin, par contre, des 9 jours qu'elle sera vraiment, là, finalement, la directrice. Là. C'est elle qui sera la supérieure de la communauté. Parce que là, et puis en plus, cette journée-là tombait, cette année-là, un dimanche. Donc, en plus, ils ont invité toute la paroisse. Puis là, le curé Archambault, là, il était content. Donc, il avait sonné les cloches. Là, enfin, il n'y avait pas seulement un institut, mais il y avait une communauté religieuse qui s'occupait spécialement des jeunes, l'éducation des jeunes. L'éducation religieuse, bien entendu, spirituelle, mais aussi toute l'éducation, là, tout ce que ça peut vouloir dire. Donc, le 20 mars 1851, Monseigneur Bourget fixe l'essentiel des constitutions des filles de Sainte-Anne. Donc, les premiers jours de la communauté ont été vécus dans une grande pauvreté parce que cette œuvre-là va être pauvre, puis va être pauvre longtemps, puis ils vont vivre dans des conditions là, assez dures. Donc, c'est déjà toute une mortification. Et là, on en a ici quelques écrits de sœurs là, qui ont décrit un petit peu ce que c'était l'atmosphère là, du début. Donc, nous étions heureuses, malgré notre grande pauvreté et les privations de tout genre, tant pour le local que pour la nourriture, nous étions pauvres et nous vivions en pauvres. Un seul appartement, pas très grand, servait à la fois de communauté, de réfectoire et de classe. Tout en même temps. Et un peu plus tard, après la profession, une planche du plancher du bas faisait la séparation des sœurs professes des novices. Puis elle rajoute en disant qu'il ne fallait pas dépasser la planche. C'est-à-dire qu'il y avait une professe, c'est ceux qui avaient fait leurs vœux, puis les autres, les novices, ceux qui se préparaient à faire leurs vœux. Et nous ne devions jamais franchir cette limite. Notre nourriture était celle des pauvres, et des fois, nous n'en avions pas assez pour apaiser notre faim. Nous faisions cuire le pain, la pâte n'était pas toujours faite avec la fleur de blé. Bon ou non, nous le mangeions en bénissant le bon Dieu. Elle dit bien qu'elle était heureuse et qu'elle bénissait le bon Dieu malgré toute la pauvreté. Donc, un local à peu près pour vivre, pour tout faire dans le fond, même faire les classes. Et dans les commencements, nous n'avions pas de dortoir suffisant pour coucher les sœurs. Donc, il y en avait quelques-unes qui allaient au réfectoire, au parloir, à la communauté. Ça, c'est quand que ça a commencé. Ils ont commencé à avoir un local plus grand. Donc, il y en a qui allaient coucher au réfectoire, au parloir, à la communauté. Mais on dit que même Marianne voyait si nous avions le nécessaire avant de monter à sa chambre, qui était une cellule dans l'office où se tenait le conseil, le chapitre, quand Monseigneur Bourget est venu écrire nos saintes règles. Donc, ça décrit un petit peu l'esprit de pauvreté. Et là, finalement, pour avoir un petit peu plus de confort, si on pourrait dire, se sont mis à faire une petite boulangerie. Donc, ils ont vendu du pain, puis à partir de ce moment-là, leurs conditions s'est un petit peu améliorée. Mais en plus, donc, c'était en campagne. Donc, les cultivateurs, là, t'as même pas intéressé non plus à payer là, pour l'éducation.
Donc, souvent, c'est que les religieuses prenaient ça sur eux autres, alors qu'eux autres-mêmes, il y avait à peine ce qu'il fallait pour leur propre subsistance. Puis en plus, les cures, puis la cure de Vaudreuil, il n'était pas non plus, le curé, il est parti, quand il est mort, il est parti avec des dettes. Donc, lui non plus, il n'a pas pu ramasser, il n'a pas pu aider tant au niveau temporel que spirituel, parce que spirituellement, il était trop débordé par sa charge. Donc, Mère Marie-Anne fera toujours place dans son institut pour les œuvres de miséricorde corporelle, c'est-à-dire qu'elle va accueillir les malades, elle va aller auprès des mourants, secourir les personnes, les femmes. Donc, son œuvre, dans le fond, va déborder. Ce ne sera pas seulement l'éducation, parce qu'ils vont avoir des hôpitaux. Hein, comme l'hôpital de Sainte-Anne, à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, l'hôpital de Sainte-Anne, ça a été inauguré par eux. Puis il y a plusieurs hôpitaux comme ça. Donc, ils sont chargés d'hôpitaux, ils sont chargés d'œuvres de miséricorde corporelle. Donc, aider les pauvres, aider les mourants, aider les malades. Et elle-même en a accueilli une femme, justement, une veuve, au début de la communauté, avec eux. Elle a accepté de l'accueillir sur la fin de ses jours. Elle a fini ses jours avec la communauté. Et en juillet 1852, donc Mgr Bourget a connu une grande épreuve. Il y a eu le feu d'une partie de la ville de son diocèse. Et c'est Mère Marie-Anne qui a commencé à quêter pour des vêtements pour les enfants. Et puis c'est elle-même qui a passé plusieurs nuits à préparer ces vêtements-là, hein, parce que ce n'était pas toujours des vêtements qui étaient prêts à être disposés auprès des enfants. Donc c'est même elle qui les réparait, puis c'est elle qui les a tout préparés. Elle a passé plusieurs nuits pour ça. Donc aider les pauvres. Elle-même était pauvre, elle-même elle a quêté pour aider Mgr Bourget. Donc, Mère Marie-Anne plaçait un morceau de bois, bon, pour les mortifications, elle-même plaçait un morceau de bois sur son oreiller pour se mortifier, mais les autres en faisaient autant. Les autres membres. Mais par contre, elle recommandait toujours à ses filles d'abord de vaincre les inclinations naturelles et pratiquer l'immolation du cœur, dans le sens, comme elle disait tantôt, l'obéissance. Hein, dans le fond, il n'y a pas de plus grand sacrifice, dans le fond, que l'obéissance, le sacrifice de l'obéissance. Et des fois, ça plaît plus à Dieu encore que les mortifications qu'on peut s'imposer. Parce que celles qu'on s'impose, c'est qu'on les veut, ceux-là. On a bien voulu se les imposer si on en fait des mortifications. Tandis que celles-là, ils ne sont pas imposées. Ils sont imposés par l'obéissance qui te demande justement soit d'adoucir ou complètement d'enlever ce genre de mortification. Donc, il est permis, donc, sur l'avis de M. Archambault et de Mgr Bourget, de prendre la discipline, dans ce temps-là, la discipline, les coups de fouet, là, tu sais, les coups de strap là, qu'ils se donnaient. Mais par contre, il n'y avait pas prescrit sur la vigueur avec laquelle les religieuses devaient l'utiliser. Et même si c'était juste une fois par semaine, parce qu'il s'était fait comme une espèce de petit local dans le grenier, là, où c'est que c'est là qu'il allait se donner la discipline, mais bien souvent, quand une religieuse passait après l'autre, des fois, elle voyait même du sang sur les poutres. C'est-à-dire avec la force avec laquelle ils pouvaient se donner la discipline. Et même, ils avaient demandé s'ils pouvaient porter le cilice, mais là, ils ont dit, sans voulant dire, c'est passé date, c'est fini, oubliez ça. Fait qu'ils acceptaient une fois par semaine. Mais sauf, pas dans le temps pascal, par exemple. Pas dans le temps pascal, mais dans les autres temps, ils pouvaient le faire. Donc, Sœur Marie de la Purification, bon, on parle de la fondatrice, juste pour donner une idée de ce que, comment que son cœur était grand, puis comment qu'elle était vraiment mère, là aussi. Hein, dans tout ce que ça veut dire. Donc, elle a été pour notre communauté la femme forte de l'Évangile. Elle est mère dans la force du terme par sa charité, sa douceur, sa bonté. Elle veillait sur ses filles, tant au spirituel qu'au temporel. Elle s'intéressait à la santé de chacune, veillait à nous soulager de nos souffrances. Elle recherchait les plus faibles, les plus timides, s'informant de leur santé et mettant tout en œuvre pour les soulager. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est toujours occupée de ses filles. Et ça va le garder. Même au milieu des persécutions, là, ça reste qu'elle est toujours la mère de la communauté. Même si on la décharge de tous ses titres, ça reste qu'elle, ses filles, elle veut les voir grandir, elle veut le meilleur pour elle. Et justement, une novice qui se désolait de voir un petit peu sa vie de passé, sa vie de péché, hein, elle disait, « Non, ma sœur, recommence une vie nouvelle. » Je me charge devant Dieu de payer toutes vos dettes jusqu'à ce jour. » Juste pour dire jusqu'où qu'elle était prête à aller. Et dans d'autres cas, ici, on relate d'autres cas auprès où elle a été intervenue auprès de d'autres sœurs. Donc, en voilà une, justement, qui était aspirante. Et là, sa sœur aînée vient, elle, se joindre à la communauté. Mais elle, sa sœur aînée, elle s'aperçoit que non, ce n'est pas sa vocation.
Mais l'autre, elle n'a pas pu accepter que sa sœur parte. Puis là, c'est dit, s'il y en a une qui part, en voulant dire, les deux vont partir. Les deux vont partir en même temps. Et là, c'est là qu'Esther Blondin va agir en voulant dire, non, ça, c'est en voulant dire, c'est une tentation du démon qui veut vous faire perdre votre vocation. Et là, je vous dis une chose, votre sœur va partir. Vous allez la reporter à la voiture. Vous allez revenir joyeuse, heureuse, même de l'avoir laissée, elle qui pense. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est allée mener sa sœur jusqu'à la voiture. Elle est entrée joyeuse et contente au couvent, comme sœur Blondin lui avait dit. Et c'est là qu'elle s'est tapée. Et cette sœur-là va devenir supérieure générale. Elle va s'appeler sœur Marie de la Purification, la deuxième, après plusieurs difficultés. Parce qu'il va s'en passer bien des choses pour sœur Marianne, ça va juste commencer. Donc, à l'été de 1851, l'abbé Louis-Marie Lefebvre, donc curé de Sainte-Geneviève, va demander de l'aide au curé Archambault. Donc, ça va tellement bien à Vaudreuil que lui, il en veut aussi des petites sœurs. Donc là, ils sont rendus à cette époque-là, à peu près à 13 professes, il y a 15 novices. Donc là, ils vont être prêts à en envoyer. Donc, ils vont envoyer 3 religieuses à Sainte-Geneviève. Donc, une première mission. Donc, sœur Blondin envoie 3 sœurs, les 3 premières sœurs en mission. Donc, ils ont toujours l'œuvre à Vaudreuil, qui est l'œuvre principale, qui est le berceau de la communauté. Et en plus, Sainte-Geneviève, où là, ils viennent d'ouvrir avec 3 religieuses. Et puis là, en plus, Sainte-Geneviève va toujours être la mission qui va être toujours la plus pauvre. Donc, imaginez déjà, il offrait à peu près, c'est-à-dire que ça, pour les pensionnaires, il demandait presque rien. Mais là, à Sainte-Geneviève, il fallait qu'il demande encore moins que rien. Et puis là-dessus, bien, Mgr Bourget avait rappelé, il dit, rappelez-vous une chose. Il dit, rappelez-vous que les pauvres enfants, c'est ceux qui paient le mieux, parce que c'est le bon Dieu qui paye à leur place. Et dans le fond, il leur expliquait que, dans le fond, les plus pauvres, c'était une bénédiction pour toutes les communautés. Donc, à la suite de ça, bien entendu, qu'ils ont toujours accepté les élèves, même les plus pauvres. Et dans le fond, ça a été un peu comme leur mission, ça. Parce que, dans le fond, c'est un peu l'inspiration du début. C'est à offrir aux plus pauvres, ceux que, justement, ils n'ont pas d'éducation, leur en donner une. Et au mois d'avril 1853, dont Mère Marianne dit dans une assemblée du Conseil, et là, voyez-vous, c'était le démon qui a parlé. Il dit, « Je te renverserai, toi et ta communauté. » Elle a entendu ça, elle dit, « J'étais à notre bureau. » Et puis tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit, « Je te renverserai, toi et ta communauté. » Je te renverserai, ça, oui, il a presque réussi à renverser. On pourrait dire qu'il a presque réussi à détruire la communauté. Mais grâce aux vertus, puis à... De sœur Blondin, cette communauté-là, au contraire, va fleurir d'une manière extraordinaire. Mais par contre, elle a répondu ceci, « J'ai mis toute ma confiance en Dieu et je ne serai pas confondu. » J'ai mis toute ma confiance en Dieu. Et il y a une autre chose qu'elle disait aussi souvent, c'est que Dieu veut tout faire. Voyez-vous, malgré une santé qui était plutôt médiocre, malgré aussi, comme elle disait elle-même, malgré mon peu de talent, etc., elle dit, c'est Dieu, c'est parce que Dieu veut tout faire. Malgré tout ça, malgré que je n'ai pas beaucoup de talent, malgré une santé, malgré tout ça, elle s'est lancée dans cette aventure-là en disant, c'est Dieu qui veut tout faire. Mais c'est là que ce Dieu qui veut tout faire, là, ça veut dire que Dieu veut tout faire, donc il veut tout faire, donc ça veut dire qu'il veut tout faire, il va tout prendre ça tout seul à lui-même. Donc, ce n'est pas elle qui sera en avant, on va dire, c'est pas Esther Blondin qui va être en avant, c'est le bon Dieu qui va être en avant, c'est Dieu qui va être en avant. Mais de la manière dont lui veut la conduire pour que cette œuvre-là produise ses fruits comme lui le veut. Et là, ça grandit, la communauté grandit, et là, les locaux sont insuffisants. Et puis là, M. Archambault, c'est-à-dire le curé Archambault, il dit à son évêque, là, je suis prêt, je décide de faire bâtir un bâtiment. Et c'est là qu'il va y avoir l'intervention, comme j'avais dit, les cultivateurs, donc c'est un milieu agricole. Et là, à cette époque-là, finalement, ils n'en voudront pas des religieuses. C'est ça va être une autre épreuve, parce que là, il va se passer plusieurs années, là, presque 20 ans, là, que Sœur Blondin va être à Vaudreuil. Et là, quand ça va être le temps de demander... Et même Mgr Bourget va venir à 2 reprises à Vaudreuil
pour demander aux villageois de vraiment d'aider cette communauté-là, en tout cas de faire leur possible. Puis lui, il est prêt à en mettre. Et même lui, il avait comme débuté une collecte de fonds. Il avait mis 200 $ pour commencer, pour stimuler presque rien qu'ils ont ramassé. Et quand il y a eu l'assemblée des marguilliers, l'assemblée du conseil paroissial, tout a été bousillé. Tout a été bousillé. La conférence a été bousillée. Finalement, il y a seulement 10 personnes qui se sont présentées, dont 7 ont voté contre le projet. Et finalement, le curé Archambault est obligé de se rendre compte, de dire, ben non, il n'y en aura pas de communauté à Vaudreuil. Et la communauté devra déménager. Mais là, pendant ce temps-là, il va se passer 2 ans pendant tout ça, là, avant que le projet se réalise et tout ça, puis que Monseigneur Bourget demande pendant 2 années de temps de l'aide auprès des villageois pour garder la communauté à Vaudreuil. Et mais là, pendant ce temps-là, lui, il va faire ses recherches. Et c'est là qu'à Saint-Jacques-de-Lachigan, il y avait une communauté de religieuses qui étaient venues de France offrir leur service, mais eux autres, ils lorgnaient plutôt du côté de Montréal. Eux autres, ils avaient leur vue à Montréal. Donc, ils ont abandonné. Et là, il y a un beau couvent spacieux, il y a des terres là-dessus, en tout cas, il y a une belle chapelle, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir une communauté comme celle de Sœur Blondin, les filles de Sainte-Anne. Et finalement, voyant que la communauté française, elle, quittait pour Montréal, bien là, Monseigneur Bourget envoie son avis, il dit, non, c'est fait, la communauté devra déménager. Et puis là, il avertit bien le curé Archambault, avant que tout ça soit fait, seulement la fondatrice, seulement Sœur Marie-Anne devra être au courant. Donc, elle devra garder ce secret-là pendant plusieurs mois aux religieuses. Et c'est seulement à la fin, quand tout va se faire, là, que là, elle va être obligée, elle va aller, premièrement, elle va aller avec une de ses sœurs, elle va aller voir là-bas comment c'est, le monastère, tout ça, bon, tout le terrain, etc. Et puis, c'est seulement à son retour qu'elle va divulguer aux sœurs que là, l'abbé Barrette, lui, qui s'est trouvé à être le directeur spirituel des sœurs, les sœurs religieuses françaises qui étaient à Saint-Jacques-de-Lachigan. Donc, lui, et puis en plus, un des grands désirs de Sœur Blondin, c'est que pendant plusieurs années, il avait été comme laissé seul, dans le sens que le curé Archambault, même spirituellement, venait donner de temps en temps des petits enseignements, mais tout relevait plutôt de Sœur Blondin. Et elle avait demandé souvent à Mgr Bourget de leur donner un directeur spirituel. Et puis là, M. Barrette, au moment du déménagement, parce que là, ça prenait quelqu'un, là, Mgr Bourget, lui, demande à l'abbé Barrette de s'occuper du déménagement. Et pendant que Sœur Blondin, justement, va voir les installations là-bas, lui, il s'en venait au couvent pour préparer le déménagement. Fait qu'ils se sont croisés comme ça. Et puis au retour de Sœur Blondin, mais là, c'est l'abbé Barrette qui s'est occupé de tout le déménagement. Et puis là, ça avait beaucoup affecté le curé Archambault, tellement accablé le M. Archambault que là, il avait dit, « Ouais, ben là, OK, c'est correct. Les habitants de Vaudreuil n'en veulent pas des religieuses. Ben il n'en restera pas une. On les envoie toutes là-bas. Ils n'en veulent pas. Ils feront du bien là-bas. Ils n'en veulent pas. » Et ça avait beaucoup peiné en même temps Esther Blondin, parce que c'était quand même le berceau de la communauté qui était là, à Vaudreuil. Mais finalement, l'abbé Archambault va revenir sur sa décision. Il va accepter de garder quelques religieuses. Et finalement, il va en avoir 3. Donc, sur les 34 religieuses, parce qu'à ce moment-là, il était 34, donc il y en aura 28 qui vont aller à Saint-Jacques. Et donc, il y en a 3 déjà à Sainte-Geneviève, et il y en a 3 qui resteront à Vaudreuil, garder le berceau de la communauté. Mais on va voir ce que c'est qui va se passer à De Vaudreuil, le berceau de la communauté. Parce que tout ça va disparaître à un moment donné. Même tout ça va être vendu. On verra dans quelles circonstances. Donc, finalement, le 15 août devait être le déménagement. Même on avait loué un bateau, parce que tout ça se faisait par bateau. Il fallait traverser de l'autre côté pour aller à Saint-Jacques-de-Lachigan. Donc, on avait loué un bateau. Tout ça devait se faire le 15 août. Le 15 août arrive, le bateau n'arrive pas, même il n'y arrivera jamais. On devra louer un autre bateau. Et là, c'est à suite de... Tout ça va reporter le départ, finalement, au 22 août 1853. Et puis là, le pire, le pire dans le sens que quand ils vont partir, quand les villageois vont voir partir, les religieuses, sur le trajet des sœurs, ils vont entendre, justement, les villageois pleurer.
Donc, ce qui va accentuer déjà leur tristesse, eux autres même, de quitter. Parce que c'est déjà une épreuve, ils n'en voulaient pas. Hein, c'est un Blondin qui avait mis 20 ans de sa vie là, puis là, ils disent non, on n'en veut plus. Puis là, quitter, donc c'était déjà une épreuve pour elle. Puis elle aussi, le fait qu'elle a fondé là, elle n'avait pas l'idée nécessairement de partir. Donc, elle doit partir. Puis elle n'avait pas le choix. Donc, ils devront partir quand même. Et les villageois, eux autres, sont dans la peine de les voir partir. Donc, on dit ici, au passage des sœurs, on a entendu plus d'un déplorer de... On a entendu plus d'un déplorer le départ. Mon Seigneur est allé trop vite. On disait, mon Seigneur est allé trop vite. Oui, mais ça faisait 2 ans que mon Seigneur en parlait. Car il y a tout de même plus de 2 ans que mon Seigneur leur a tendu la main du haut de la chair. Donc, pour Mère Marianne, c'est 20 ans de sa vie et le berceau de son œuvre qu'elle laisse derrière elle. Et ici, on montre la fin de la traversée, parce que ça fut toute une traversée. Et même parce qu'il y a eu plusieurs incendies au moment de la traversée. Parce qu'à un moment donné, c'est qu'ils devaient partir seulement le matériel, puis les religieuses devaient en voiture rejoindre le matériel. Mais finalement, à la fin, là, les religieuses, toutes sur le bateau, les religieuses, puis le matériel, tout ça sur le bateau. Et il y a eu plusieurs petits incendies. Et même, il y en a une qui s'est déclarée plus forte que les autres. Assez qu'au début, on ne pensait pas que celle-là, parce que là, quand la religieuse a dit, là, nos affaires sont en train de brûler. Fait que là, tout le monde, avec le capitaine, puis etc., se sont précipités pour éteindre le feu. Et finalement, ils sont arrivés, on dit, 1 heure après minuit, nous débarquâmes à la clarté des fanaux. Le ciel bien étoilé, la lune cependant nous refusait sa douce lumière. Donc là, ils étaient bien contents, ils étaient pour avoir un guide spirituel, l'abbé Barrette. Parce que là, le Monseigneur leur avait dit que l'abbé Barrette n'a pas seulement leur aidé pour déménager, mais que dans le fond, lui qui avait eu l'expérience, ça faisait 10 années qu'il s'est occupé des sœurs religieuses là-bas. Donc, eux autres étaient bien contents. Puis là, eux autres, ils le voyaient. Déjà, bien, ils l'avaient côtoyé par le déménagement. Puis là, déjà, ils s'étaient mis tout en... Ils les avaient conquis. Puis Mère Marianne, elle était à 100% les mêmes vues avec lui, puis etc. Elle dit, on a un saint. Mais là, on va voir que tout ça va se... Le rêve va tomber assez vite parce que finalement, à leur retour, presque à leur retour, Monseigneur nomme M. Barrette dans une paroisse. Il va le nommer curé à Saint-Liguori. Et là, finalement, c'est un jeune prêtre qui va venir comme directeur spirituel. Mais là, c'est là que va commencer là, vraiment la grande épreuve de Sœur Marianne. Parce que quand ce prêtre-là, ce jeune prêtre-là va arriver, premièrement, il n'y a pas de mandat de l'évêque encore. Mais par contre, Esther Blondin sait que M. Barrette s'en va. Donc, elle sait que s'il s'en va, c'est que probablement qu'il va peut-être en arriver un autre. Mais par contre, elle n'a pas encore reçu aucune lettre de Mgr Bourget à cet effet-là. Et en plus, au lieu d'arriver exactement le jour où M. Barrette part, lui, il arrive 6 jours après. Mais là, pendant les 6 jours qui vont se passer, il va se passer certaines choses. Parce que l'abbé, il a le curé paré là-bas, à Saint-Jacques de la Chigan, c'est le curé paré. Lui, il est calculé comme un saint, comme le saint curé d'Ars. D'ailleurs, c'est à la même époque que le curé d'Ars. Et on l'appelle le curé d'Ars là-bas. Donc, ce curé-là, lui, il connaît bien l'abbé Louis-Adolphe Maréchal, celui qui va venir là. Et il connaît très, très bien. Et puis, pour lui, là, ça a toujours été une épine. Il ne s'est jamais bien entendu avec lui. Ça a été comme, toujours comme une épine. Et puis là, il le voit venir, là. Là, il dit, ouf! En voulant dire, ça va être une charge. Ça va être une charge non seulement pour la communauté, mais ça va être une charge aussi pour le curé. Puis même, il demande, en tout cas, par mot voilé, dans une lettre à Mgr Bourget, s'il ne pourra pas, en tout cas. Mais il faut comprendre aussi, Mgr Bourget, là, il est en train de construire, lui, un diocèse. Là. Puis il y a une charge de travail considérable. Puis là, se trouver quelqu'un, ce n'est pas évident. Donc, pendant ce temps-là, bien, voyez-vous, les 6 jours qui vont s'écouler là, avant qu'il arrive. Donc, M. Paré va en parler, ça va se parler, ça, de ce prêtre-là. Là. Puis, ça va tomber dans les oreilles d'Esther Blondin, là, de Mère Marianne. Et puis là, on va lui dire certaines choses sur lui. D'abord que, bon, mais c'est un jeune prêtre. Et ça fait 6 ans. Puis, en 6 ans, là, il y a eu 5 mandats. 5 mandats, ça veut dire qu'il a changé de place souvent. Donc, ça, c'est pas nécessairement un bon signe, en tout cas, au départ. Donc, quand il va arriver, elle va être un petit peu sur la défensive. Hein? Même Marianne va être un petit peu sur la défensive. Puis comme elle a poursuivi le papier de Mgr Bourget, comme de quoi officiellement, il est vraiment le directeur désigné pour la communauté,
elle va se retrancher un petit peu dans le sens qu'elle va dire, oui, mais tout en y parlant poliment, tout ça, avec charité, elle dit qu'elle attend l'ordre de Monseigneur Bourget avant de l'accueillir, avant d'accueillir le nouveau directeur spirituel de la communauté. Fait que là, c'est là que, par exemple, va commencer vraiment son chemin de croix pour elle. Parce que là, à ce moment-là, mais le soir même, par exemple, là, elle s'aperçoit un peu, entre guillemets, de son erreur. Elle, qu'on la connaît, tu sais, si obéissante, elle savait de toute façon que Monseigneur Bourget l'avait nommé Monsieur Barrette tailleur. Donc, elle pouvait savoir qu'il y avait une autre prêtre qui était pour venir comme directeur spirituel de la communauté. Donc, elle aurait dû savoir que justement, s'il se présentait, lui, ce prêtre-là, c'est que c'était vraiment la volonté de son évêque qu'il donnait ce prêtre-là. Et elle a voulu dire, bon, ben non, j'attends le papier officiel de Monseigneur Bourget. Et là, quand elle va écrire, là, le soir, elle va se rendre compte de son erreur, elle va dire, oh, Monseigneur, pour moi, en voulant dire, j'ai fait une erreur, là. Puis si j'ai mal agi, elle a dit, écrivez-moi, puis dites-moi ce que je dois faire, puis je vais le faire. Et puis là, elle va recevoir la réponse, mais toute une réponse de Monseigneur Bourget à ce moment-là. Mais avant ça, parce qu'il y a quelque chose qui va nous éclairer un petit peu dans le récit. Lui, comment qu'il voyait les âmes consacrées? Il avait envoyé une lettre à toutes les communautés religieuses. Et lui, ce qu'il attendait là, de ces religieuses, là, c'était vraiment le maximum, puis la générosité. Et il avait écrit une lettre à plusieurs communautés, et ça disait ceci. Eh bien, nos très chères filles, nous allons à vous allumer vos lampes sacrées. Soyez généreuses. Car c'est à cette disposition que votre divin époux peut juger de votre amour. Sainte générosité qui donne à l'âme religieuse cette trempe vigoureuse qui la rend capable des plus héroïques sacrifices. C'est ce qui s'attendait de ces religieuses. Donc, des plus héroïques sacrifices. Sainte générosité qui ambitionne les plus bas emplois. Et dans le fond, là, dans toute cette description-là qu'il donnait, là, c'était la description de Mère Marianne. C'est ce qu'elle va vivre, elle. Sainte générosité qui ambitionne les plus bas emplois, qui embrasse les plus durs travaux. Parce qu'à un moment donné, Sœur Marianne, là, c'est elle qui va s'occuper de prendre, tu sais, les seaux, tu sais, dans les infirmeries, là, les seaux d'aisance, là, c'est elle qui va vider ça. Des élèves, puis de l'infirmerie. Elle va devenir ça vers la fin, là. Parce que dans le fond, vers la fin, elle va devenir une ouvrière dans la communauté. Donc, les plus bas emplois, les plus durs travaux, se plaît avec les caractères les plus acariâtres, sympathise avec les humeurs les plus fâcheuses, vit en paix dans toutes sortes d'offices et avec toutes sortes de personnes. Sainte générosité qui accepte humblement les corrections les plus répugnantes à la nature, reçoit courageusement les humiliations les plus terribles à l'amour-propre, baise amoureusement la main qui la châtie, bénit modestement la bouche qui l'outrage. Donc, voyez-vous, c'est ce qu'il avait envoyé comme lettre à toutes ces religieuses, c'est ce qu'il attendait, lui, de ces religieuses dans son diocèse. Et quand on lit ça, mais c'est là que l'auteur dit justement, mais dans le fond, ce qu'il a fait là, c'est une description exactement de Mère Marianne. C'est exactement ça. Et là, Monseigneur va répondre à Mère Marianne suite justement à l'accueil qu'elle a fait. On appelait ça le chapelain, c'est-à-dire le directeur spirituel. Vous auriez dû répondre à Monsieur Maréchal que vous le receviez avec respect et reconnaissance, puisqu'il venait au nom de Dieu, dont la volonté se faisait connaître par celle de son évêque. Ceci est pour vous un mauvais début. Et si vous ne hâtez pas de le réparer par toutes sortes d'humiliations, vous pouvez vous assurer que le mauvais esprit va se glisser dans votre communauté. Si elles n'ont pas ce bon esprit, Dieu ne les bénira pas. C'est une question de vie ou de mort que celle qui agite en ce moment votre nouvelle communauté. Si elle voit autre chose que notre Seigneur dans le directeur, c'est-à-dire le directeur spirituel là, qui envoyait, et si pour cela elle a des préférences, c'en est fini d'elle, son avenir est tout décidé. Vos calculs sont des calculs humains. Et puis il dit, cette prudence humaine qui vous a fait agir comme vous avez fait apporte toujours un grand préjudice à une communauté. Pour réparer tous les déplaisirs que très certainement vous avez causés à notre Seigneur, vous ferez dire une messe par votre nouveau directeur à laquelle il y aura communion générale des sœurs avec amende honorable pour votre manque de confiance en la divine et aimable Providence. Fait que dans le fond, là, l'appel était lancé. Ce qui était donné là, c'était le bon Dieu. Tu as refusé le bon Dieu, dans le fond. C'était le bon Dieu qui t'a envoyé. Puis celui qui t'a envoyé, c'était le Dieu qu'il voulait. Puis dans le fond, tu as désobéi. Dans le fond, c'est ça, grosso modo, c'est ça, tu as désobéi à Dieu. Puis là, ça demande réparation.
Et par contre, il n'a pas seulement écrit à la sœur, mais il a écrit aussi au prêtre. Il dit, par un même courrier du 5 septembre, il se préoccupe aussi de son aumônier. « Monsieur Maréchal, j'apprends que votre début n'a pas été brillant humainement parlant. » Il dit, « C'est tant mieux. » Il dit, « C'est tant mieux. » Il dit, « C'est tant mieux, car c'est ainsi que l'on est reçu quand on doit faire du bien quelque part. Réjouissez-vous donc intérieurement de l'accueil si peu gracieux qui vous a été fait. Croyez-moi, c'est la plus belle récompense. » C'est la plus belle récompense que vous pouviez attendre pour le grand sacrifice que vous avez fait en quittant Saint-Cyprien pour vous dévouer à un ministère qui va être d'autant plus méritoire qu'il sera plus tracassant. Donc, voyez-vous, ça, c'était les évêques de ce temps-là. Ça veut dire que ça ne marchait pas que des demi-mesures, eux autres. Hein? Ils exigeaient des religieuses la sainteté, puis du prêtre. Dans le fond, s'ils demandaient la générosité complète, c'est... L'oubli de soi complètement, là. Hein? L'oubli complètement de soi. Donc, dès leur arrivée, donc, les filles de Saint-Anne, oui, dès leur arrivée, donc, ils vont être très appréciés là-bas. Même, on va être surpris un petit peu, là, de voir les sœurs religieuses de la manière dont elles... parce qu'on va voir que, justement, on s'attendait de ces religieuses-là qui soient seulement éducatrices, donc surtout l'éducation des enfants. Mais quand on va les voir au champ, on fait toutes sortes de travaux avec les marteaux dans les mains puis toutes sortes d'affaires, on va dire « Oups, c'est pas des religieuses comme les autres. » Donc, ils vont être surpris, mais c'est pas que ça qui les a surpris aussi. C'est leur générosité. Parce que dès qu'ils sont arrivés, ils sont appelés auprès d'une mourante. Et le lendemain, voyez-vous, cette jeune fille-là qui était mourante demandait auprès d'elle les filles de Sainte-Anne. Donc, on a envoyé deux religieuses auprès d'elle. Et le lendemain matin, elle est morte. Donc, voyez-vous, c'est comme si elle attendait ça. C'est comme une espèce de vœu qui a été réalisé, qu'elle désirait dans son cœur rencontrer ces religieuses-là. Et voyez-vous, une fois que ce désir-là a été comblé, elle a pu s'endormir dans la paix, partir pour le ciel. Et c'est là qu'aussi, il y avait une... dans l'ancienne communauté des sœurs françaises qui étaient là, une dizaine d'années, avaient déjà accueilli une jeune femme qui, par la maladie, était devenue toute difforme. Et là, sœur Blondin, quand elle est arrivée, elle l'acceptait, elle l'accueillit dans la communauté. Dans la communauté, tout comme elle avait fait au début de sa communauté, qu'elle avait accepté une veuve hein, jusqu'à la fin de ses jours. Et elle aussi, elle est morte dans des grandes douleurs, cette femme-là, à cause de sa maladie. Mais elle est morte... en accomplissant, elle aussi, son désir, dans le sens d'être un petit peu une religieuse, elle aussi, à sa manière, elle participait par sa souffrance et sa maladie, par l'offrande, dans le fond, de sa vie. Donc, l'abbé Maréchal va s'établir là-bas, à la communauté. Donc, c'est lui qui sera chargé de s'occuper des filles de Sainte-Anne. Et tout ça, cette période-là, va durer pendant 18 ans. Mais comme je disais tantôt, c'est le chemin de quoi de Mère Marie-Anne qui commence. Donc, 18 ans. Et c'est là qu'on se rend compte, par exemple, après avoir lu une vie comme celle-là, que, justement, comment qu'une femme comme ça, après avoir subi toutes les humiliations puis tout ça, là, comment qu'elle a pu garder quand même cette espérance-là en Dieu, sa foi en Dieu, son amour en Dieu, même la foi même aussi, même en ses directeurs, là, malgré tout ça, là. Puis garder un respect de ces gens-là, sans se décourager, puis sans dire, bon, ben moi, c'est fini, je m'en vais, ou quoi, ou je sais pas quoi, ou se décourager, ou tomber dans une déprime épouvantable. Elle va voir dans ça seulement la volonté de Dieu, et même elle va en arriver à faire comme une espèce de vœu, le vœu de réparer par sa vie effacée tous les péchés de sa communauté. Donc ça, ça va être... C'est pour ça qu'on l'appelle, justement, il l'avait... Le livre sur lequel je m'ai basé, il l'appelle « Martyr du silence ». Ce n'est pas un martyr du sang, mais c'est un martyr du silence. Dans le fond, que dans son cœur, elle a gardé toutes ces souffrances-là. Et justement, ils ont établi une statue. Il y a une statue qui est justement là à Vaudreuil, où justement, il y a eu le théâtre là, de toutes ces croix-là qu'elle a subies pendant 18 ans. Et il y a une statue dans laquelle elle est présentée avec une clé, et dans l'autre, on voit la croix. Puis là, sur la petite note qu'il y a au bas de la statue, c'est marqué « Elle a donné la clé ». Et elle a gardé la croix. La clé, c'est la clé de la communauté. C'est-à-dire, c'est pas elle, dans le fond, qui l'a dirigée pendant toutes ces années-là. Dans le fond, elle a été dirigée peut-être pendant toutes... Elle a été 40, 41 ans, la communauté. Elle a peut-être dirigé pendant 5-6 ans maximum.
Puis voyez-vous, même au début, là, les 24 premiers mois, elle était seulement 8 mois à la tête de la communauté. Elle a été 16 mois reléguée. Et quand le gros de la communauté, au moment où la communauté là, va prendre vraiment son élan, ça veut dire qu'elle va être quasiment pendant, complètement effacée à travers tout ça. Mais il y a une parole, par exemple, qui va surgir. Elle dit, « Le Seigneur a voulu planter les racines dans le fumier pour faire grandir l'arbre, pour que l'arbre puisse produire ses fruits. » Donc, elle était la racine que Jésus a plantée dans le fumier pour faire grandir l'arbre. Parce que cette communauté va grandir. Elle va être bénie par Dieu. Ça va grandir, ça, dans un temps là, assez vite. Là. Ça va se propager partout. Il va y avoir des missions partout. Il va y avoir des missions aux États-Unis. Elle même, elle va se rendre en Alaska. Il va y avoir des missions à Vancouver, des missions en Alaska, des missions aux États-Unis et une grande majeure partie de ces missions, bien entendu, au Québec. Donc ça, c'est au moment de sa mort. Donc Dieu a vraiment béni cette communauté-là malgré tous les problèmes là, que vont être occasionnés, là, principalement, malheureusement, par l'abbé Maréchal. Et c'est ça peut-être aussi qui n'a pas aidé. Parce que là-dedans, il y avait un prêtre qui était là, qui a été sans tout lui jeter, c'est-à-dire c'est un prêtre qui avait quand même du zèle, qui était généreux, puis qui a aidé beaucoup la communauté. Puis même les religieuses ont toujours vu dans ce prêtre-là un prêtre qui les a vraiment aidés. Mais accepté qu'il a voulu dépasser son rôle justement d'aumônier, c'est-à-dire son rôle de guide spirituel. C'est que dans le fond, il est devenu un peu comme le supérieur de la communauté pendant 18 ans. C'est ça qui a été. C'est que lui, il avait oublié que la communauté, là, ça, il a son fonctionnement propre. La communauté, là, bien justement, s'il y a une supérieure, il y a un conseil, il y a tout ça. Là. Puis ça a ses règles, une communauté. Mais là, lui, il a dépassé un peu le rôle, son rôle, qui était de les guider et non de les diriger. Et c'est ça là, qui va dépasser un peu la limite. Où c'est que pendant 18 ans, dans le fond, on se demande c'est qui dirige. Là. C'est-tu les religieuses qui dirigent? Puis ceux qui vont être nommés, là, c'est-tu vraiment celles qui ont été nommées par les religieuses? Parce que c'est les religieuses qui votent. C'est pas le curé, puis c'est pas l'aumônier qui vote. C'est les religieuses qui décident qui va avoir la tête, qui va être assistante générale, qui va être... Bon, et c'est eux autres qui disposent de ça. C'est eux autres qui se connaissent entre eux. C'est eux autres qui connaissent laquelle qui est plus apte à guider la communauté. Et c'est là que lui va dépasser largement son rôle. Et c'est là que là les problèmes... Parce que là, il va se rendre compte qu'en sœur Marianne, elle, c'est pas elle qui va se laisser faire. Et c'est là que, par contre, ça va jouer à son défaveur. Parce que là, il va avoir toute une série de courriers. Parce que si on connaît tout ça, c'est parce qu'il va avoir toute une série de lettres qui vont être envoyées de Saint-Jacques à Mgr Bourget. Et bien, elle aussi, elle va écrire. Parce qu'elle, toute son âme, puis toutes les difficultés de son âme, puis tous ses tracas, puis toutes ses souffrances, elle écrit tout le temps à Mgr Bourget pour demander conseil, pour demander des lumières. Donc, elle obéit toujours. Mais par contre, suite à cette circulation-là, tranquillement, c'est que Mgr Bourget va commencer à pencher du côté du curé, du prêtre. Et va commencer par perdre confiance envers sœur Marianne. Et c'est là qu'on va voir jusqu'où là, ça peut aller. Donc, la réponse de Mgr Bourget. Donc, Monsieur Maréchal veut le bien avec des mesures, oubliant qu'une communauté a ses usages, son règlement, sa législation canonique, son autonomie administrative. Enfin, qu'un chapelain n'est qu'un chapelain et non un supérieur général. Donc, il va se buter, comme on dit ici, à la volonté de sœur Marianne. Et puis là, on décrit un petit peu les points sur lesquels il y a des divergences. Parce qu'à un moment donné, elle, comme supérieure, est allée à Vaudreuil. Il y avait toujours Vaudreuil qui était... Il y avait Sainte-Geneviève et à Vaudreuil. Puis là, il y avait aussi Saint-Jacques. Donc, il y avait comme trois missions. Mais la maison-mère, là, était rendue à Saint-Jacques. Donc, elle était allée à Vaudreuil. Et le temps qu'elle était allée à Vaudreuil, lui, il avait décidé d'autres règlements pour la pension des élèves, sans demander l'avis de la supérieure. Donc, ça, c'est une chose. Aussi, même, il avait même loué une maison au nom de la communauté. Alors que sans en parler encore à sœur Marianne. En plus, comme chapelain, comme elle essayait justement de modérer ses filles au niveau là, de l'assaise, tout ça, là, comme elle parlait, en fond, c'est plutôt nos péchés, nos inclinations naturelles. Dans le fond, c'est sur notre caractère, c'est sur notre cœur. Dans le fond, il faut marcher sur notre cœur. Hein, tout ça, donc, elle marche. Donc, c'était surtout là-dessus. Donc, une religieuse qui, elle, était déjà, à cause de sa santé, était privée, on l'avait exemptée du jeûne, lui, il avait accepté qu'elle se donne la discipline. Mais encore là, ça en parlait à le supérieur.
Puis c'est elle qui connaît ses filles, c'est elle qui va avec. Donc, aussi, M. Maréchal, aussi, le règlement de la maison, c'est qu'il ne tenait pas compte du règlement de la maison. Et pourtant, lui, il l'avait approuvé, ce règlement-là, au préalable. Donc, il y avait un horaire dans la maison. Il y avait un temps pour enseigner, c'était des éducatrices, donc leur tâche principale, c'est l'éducation. Il y avait une tâche aussi pour le ménage, il y avait une tâche, bon, des tâches comme ça. Donc, un jour qui était que ça, Marianne était avec ses religieuses au passage du linge, puis là, fallait, là ça marchait avec ça des fers chauds, donc il fallait le poêle à bois, puis tout ça, chauffer le poêle à bois, mettre les fers sur le, bon, etc. Donc, ça pas des petites corvées, là, dans ce temps-là. Et puis là, tout d'un coup, il y a une religieuse qui vient dire à la supérieure que là, le chapelain, le directeur spirituel, demande de réunir toutes les sœurs parce qu'il veut leur donner un entretien, une instruction. Mais là, la sœur Marianne, elle a dit, mais non, là, elle a dit à la religieuse, non, Zizi, on va finir notre... Qui se respecte le règlement, il y a un temps pour ça. En voulant dire, c'est mercredi. C'est le mercredi pour les instructions. Qui respecte l'horaire? Et puis là, non, ça ne faisait pas. Il fallait absolument que les sœurs... Fait que finalement, les sœurs ont laissé brûler inutilement le feu dans le poêle pour aller écouter les instructions de monsieur du chapelain. Et puis, Mère Marianne aussi expose ses difficultés aussi à... Parce que là, comme il est directeur spirituel, donc c'est lui qui entend les confessions de toutes les religieuses. Donc, même elle, elle a la difficulté à donner son cœur, mais elle se rend compte aussi qu'elle n'est pas la seule, qu'il y en a d'autres. Et en plus aussi, donc, la difficulté à faire ses confessions, elle dit « Ces paroles frappent mes oreilles, mais ne font aucune impression sur le cœur. » Aucune impression sur le cœur. Et même un jour que lui-même, comme chapelain, était parti pour sa retraite annuelle pendant une semaine de temps, il avait interdit aux religieuses de se confesser avant son retour. Mais là, elle avait intervenu et avait dit « Non, ça n'a pas de sens que pendant une semaine, les religieuses soient privées de confession. » Et elle avait demandé au curé Paré, parce que le curé Paré, qui se trouvait être le curé pas de Vaudreuil, mais de Saint-Jacques, lui, dans le fond, était nommé supérieur ecclésiastique. C'est-à-dire qu'il y a le chapelain, donc il y avait la supérieure de la communauté, c'est elle qui s'occupait de toute la communauté, du fonctionnement de la communauté. Donc, il y avait le chapelain, le guide spirituel, mais il y avait le qui était nommé par Mgr Bourget. Donc, quand il y avait des décisions importantes, canoniques, etc., donc c'était lui qui tranchait, le curé Paré. Donc, elle avait demandé le curé Paré. Non, mais là, voyez-vous, c'est que là, tout est interprété. Voyez-vous, toutes ces oppositions-là, là, entre le chapelain, le directeur spirituel et Sœur Marianne, est interprétée comme si elle désobéissait, comme une désobéissance au guide spirituel. Voyez-vous, c'est elle-même que c'était envoyé à Mgr Bourget. Elle n'écoute pas, elle n'obéit pas. Donc, voyez-vous, tout retombait contre elle à ce moment-là. C'est à elle qui est en défaut. Ce n'est pas le guide spirituel, c'est à elle qui est en défaut. Donc, Mgr Bourget souligne, donc elle écrit tout ça à Mgr Bourget, elle écrit tout ça, puis là, Mgr Bourget envoie une réponse. Puis là, il souligne quelques irrégularités de la part de M. Maréchal, mais ajoute de fermer les yeux là-dessus. Il dit, j'aurai des choses à vous dire en particulier, il dit, je viendrai vous voir pour vous le dire en personne. Puis là, ce qu'il y avait à y dire, c'est que quand on fonde une communauté, là, on a de lourdes croix à porter. Puis plus on avance, là, plus elles sont lourdes. Et ça aussi, d'une certaine manière, c'est un peu prophétique de ce qui va s'en venir. Là. Puis là, ça fait juste commencer. Donc, des grandes croix. Donc, finalement, il avait blâmé sur seulement un point le directeur spirituel sur la question de la location de la maison. Donc, sur le reste, il dit « fermez les yeux ». Et sur le fait que, justement, elle avait difficulté à ouvrir son cœur en direction au niveau de la confession, etc., il avait dit, non, il dit, allez à lui en toute simplicité et d'ouverture de cœur. Il vous faut faire de grands sacrifices pour vous adresser à lui, mais cette épreuve vous est nécessaire afin de pouvoir bien diriger vos filles quand elles passent par cette rude tentation. Fait que voyez-vous, finalement, tout le fardeau t'a toujours porté sur elle, tout le temps, constamment, constamment. En voulant dire, non, c'est toi qu'il faut qu'il te marche sur le cœur. Marche-toi sur le cœur, toi. Et puis, essaye, dans le fond, c'est une formation
Il y a le bon Dieu, parce que toi, c'est toi, dans le fond, qui les dirige, ces religieuses-là. Donc, quand tu devras passer par des difficultés comme celle-là, en voulant dire, tu auras l'expérience, tu pourras mieux les diriger. Donc, ça montrait pas beaucoup de sympathie, mais en tout cas, elle acceptait tout le temps ça par obéissance. Elle acceptait tout ça, là. Elle faisait pas d'autres lettres pour dire qu'elle n'était pas d'accord. Quand Mgr Bourget parlait, tout se calmait, puis elle continuait son chemin. Et combien d'autres affaires de ce genre ont été rapportées à l'évêque contre la fondatrice comme étant de sérieuses atteintes au respect du haut prêtre chapelain. Donc, voyez-vous, là, tranquillement, donc dans l'esprit de Mgr Bourget, là, la fondatrice commençait à perdre pas mal de son crédit auprès de lui. Donc, Mère Marianne écrit ces quelques lignes à Mgr Bourget sur l'arbre saint qui règne dans la maison. Elle dit, « Monseigneur, je ne puis penser que votre grandeur veuille nous faire verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang. » C'est juste pour dire comment que c'était là, dans la communauté, là, avec, en voulant dire comment que c'était difficile. Il dit, « Je ne puis penser que votre grandeur veuille nous faire verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang sans nous donner quelques adoucissements. Il ne se passe presque aucun jour sans qu'on ne voit couler des larmes et l'on entend à chaque instant pousser des grands soupirs. » Cependant, toutes sont soumises à la sainte volonté de Dieu et attendent avec grand désir des jours meilleurs. Donc, c'est juste pour dire, voyez-vous, c'est à mot voilé, elle ne disait pas directement, « Monsieur Maréchal est la cause de nos problèmes, puis enlevez-moi cette épine-là du pied, puis tout va bien aller. » Ou bien, « Mettez-en une autre. » C'est pas ça qu'elle dit. Mais elle montre l'atmosphère qui se déroule dans la communauté. Et là, Monseigneur Maréchal va se plaindre à une autre occasion, à Monseigneur, va se prendre à lui, parce qu'elle ne l'a pas averti. Mère Marianne ne l'a pas averti. Il y a trois novices qui vont être appelés à faire leurs vœux. Et puis là, ça, là-dessus, lui, il n'est pas d'accord sur deux novices. Et puis là, il écrit à Monseigneur Bourget. Et M. Archambault écrit à Monseigneur sur l'état de ses... Ah oui, et puis là, à cette occasion-là, c'est qu'elle avait invité M. Archambault, le curé Archambault de Vaudreuil, ou le berceau de la communauté. Puis Mgr Bourget, c'est lui qui devait venir. Mais entre ça, quand M. Archambault, lui, vient à la communauté, lui, il reçoit une lettre le même jour qu'il part pour la communauté, pour assister aux vœux des prochaines novices. Et puis là, dans sa lettre, Monseigneur, il disait qu'il ne pouvait pas y assister, qu'il remettait ça un petit peu plus tard. Mais lui, M. Archambault, il est allé. Et là, lui, il a vu l'état de ses filles. Lui, il les a connues, il a vécu avec. Et puis lui, il écrit une lettre, puis là, il supplie Monseigneur. Lui, il dit directement, là, lui, il ne passe pas par en dessous. Il dit, ça lui prend un nouveau directeur. Finalement, c'est Monseigneur qui va trancher. Il écrit à Mère Marianne le 18 août 1854. Quant à vous, ma bonne mère, vous allez vous déposer de bon cœur et vous direz à vos sœurs que vous êtes autorisés à ne plus accepter la supériorité si on veut encore vous élever. En conséquence, elles devront en élire une autre au meilleur de leur connaissance et après y avoir mûrement pensé devant Dieu. Je vais prier et faire prier pour que le Saint-Esprit vous dirige dans l'acte le plus important que peut-être vous ayez jamais eu à faire. Et le lendemain, soit le 19 août, Mère Marianne communique l'ordre reçu. Consternation générale, coup de foudre pour la plupart des sœurs, les larmes tombaient de tous les yeux. Toutes ont bien compris le droit que leur donne leur constitution de réélire la même personne autant de fois qu'elles pensent devant Dieu pouvoir le faire pour le bien de la communauté. Mais elles ont été bien surprises en voyant que votre grandeur leur ôtait la liberté d'agir selon l'esprit de la Constitution en ôtant l'éligibilité d'un de leurs membres. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Comment c'est ça, dans la Constitution, on peut élire le nombre de fois la même personne, autant de fois qu'on le désire, et puis là, on nous dit non, Mère Marianne, c'est fini. Quant à moi, Monseigneur, je bénis mille fois la divine providence de la conduite toute maternelle qu'elle tient à mon égard, me faisant passer par la voie des tribulations et des croix, car il est certain que l'on a tramé bien des choses contre moi. La conduite que l'on tient actuellement n'est que trop persuasive, je n'en dirai pas davantage. Je ferai connaître à votre grandeur que les préparatifs des élections se feront par intrigue. Donc, ça ne fonctionna pas, là. Les religieuses ont été vraiment bouleversées de ça, puis c'est dans le bouleversement qu'ils vont faire, qui essayent d'élire une nouvelle sœur comme supérieure. Donc, je prie Dieu de tout mon cœur de faire connaître à votre grandeur les choses telles qu'elles se sont passées et qu'elles se passent. Quelquefois, on ne peut s'expliquer à soi-même ce mystère. C'est-à-dire qu'elle dit qu'elle a pris le bon Dieu, puis que mon Seigneur voit clair dans tout ça, puis qu'elle voit comme vraiment
que Dieu donne l'esprit de lumière pour qu'il voit clair dans ce qui se passe dans la communauté. Mais elle dit, quelquefois, on ne peut s'expliquer à soi-même ce mystère. Oui, c'est vraiment un mystère. Pour moi, mon Seigneur, ce qui me fait de la peine en ce moment, c'est de n'avoir pas fait tout le bien que j'aurais désiré faire pour la gloire de Dieu et le bien de la communauté, d'avoir fait le mal que certainement je ne voulais pas faire. J'espère que celle qui me succédera dans cette charge remplira mieux que moi tous ses devoirs. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'elle va abandonner son rôle de supérieure. Et donc, et là, il y a deux lettres qui vont partir. Donc, il y a la lettre, il y a la, c'est-à-dire trois en réalité, la lettre de Mère Marianne, et deux religieuses vont écrire. Sœur Marie-Philomène qui va écrire à Monseigneur Bourget, et il y a Sœur Jeanne de Chantal aussi qui va écrire elle aussi. Pour dire en substance que justement, il n'y en a pas d'autre qu'elle qui peut gouverner la communauté. Dans le fond, il demande à Monseigneur de revenir sur sa décision, qu'il puisse réélire Sœur Marianne, parce qu'il n'en voit pas d'autre. On a beau regarder tout autour de nous, il n'y en a pas d'autre. Finalement, le 30 août, Mgr Bourget va venir lui-même présider les élections. Et puis là, il voit l'état de ses filles, puis non, ils ne seront pas en mesure d'en élire. Donc, lui, d'autorité, il en nomme une. Donc, c'est ça qui va arriver, il va trancher. Et puis là, ce qui va arriver, c'est que là, comme le gros du problème était à la maison-mère à Saint-Jacques, là, il n'était pas nommé, il n'était pas pour nommer quelqu'un de Saint-Jacques. Donc, il y avait quand même deux couvents, deux petits couvents à Vaudreuil et Sainte-Geneviève. Donc, il va prendre la supérieure locale de Vaudreuil et va dire, c'est toi qui dorénavant est la supérieure de la communauté. Sœur Marie-Angèle. Donc, jusqu'aux prochaines élections. Donc, Monseigneur nomme la fondatrice supérieure locale de Sainte-Geneviève. Donc, la fondatrice, qui n'est plus supérieure de la communauté, mais supérieure locale de Sainte-Geneviève. En plus de ça, comme je vous disais, Sainte-Geneviève, c'est le couvent le plus déficitaire, dans le sens le plus mal pris, parce que c'est celui qui est le plus pauvre. Et puis là, on va lui demander des comptes, constamment des comptes. On va être encore sur son dos, même si ça va partir sur Sainte-Geneviève, mais on pensait que là, c'est fini. Non, ça continue encore. Ça va continuer encore. Donc, elle se trouve donc complètement évincée de toute participation au gouvernement général de la communauté. À ce moment-là, Mère Marianne, elle a 45 ans, il y a 6 ans qu'elle a fondé son œuvre et elle en dirigeait canoniquement les destinées depuis 4 ans. Donc, elle va être quasiment seulement 4 ans à diriger sa communauté. Elle pourra méditer cette parole prophétique de Monseigneur Bourget, car évidemment, Jésus est, puis là, il avait mis trois petits points, un époux de sang. Un époux de sang. Ça veut dire que justement, en voulant dire que c'est la croix qui vous attend. Hein? C'est ça qui voulait leur dire. Donc, mais par contre, 8 ans plus tard, Monseigneur va écrire comme une espèce de lettre de repentance, en tout cas un peu dans tout ça. Il dit, je n'oublie pas que je vous ai parfois traité bien durement et que je vous ai par là grandement affligé. Il dit, je ne m'explique pas trop cette espèce de mystère. Voyez-vous qu'un peu comme Mère Marianne, quand elle a dit, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Elle a dit, c'est une espèce de mystère. Elle a dit, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Même moi, là, je ne comprends pas trop. Puis Monseigneur, il dit, je ne comprends pas trop, moi non plus, cette espèce de mystère, mais il me semble que c'était contre mon cœur. Il me semble que c'était contre mon cœur, mais c'est comme s'il y aurait eu une force, quelque chose, en quelque part, qui le fait agir quand même. Donc, le soir même des élections, la fondatrice tombe malade. Donc, imaginez avec tout ce que c'est qu'il y avait eu, là. Tout ce qu'elle avait subi, à un moment donné, il fallait mettre quelque chose craque en quelque part. Et puis là, c'est le corps là, qui n'en peut plus. Et puis là, au lieu de prendre le chemin de Sainte-Geneviève, elle va prendre le chemin de l'infirmerie. Mais là, elle va être encore à la maison mère. Avec M. Maréchal, tu sais, le directeur spirituel. Mais non, lui, il n'est pas parti. Lui, il est toujours là. Il est à Vaudreuil. Donc là, au lieu de prendre le chemin de Sainte-Geneviève, elle va prendre le chemin de l'infirmerie. Et puis là, c'est pas fini. Fait que c'est pas si vous imaginez, là. Là, les élections, ils ont fait écap. Dans le fond, il n'y en a pas eu d'élection. C'est Monseigneur qui a tranché. Donc, lui, il en prend une, puis il dit, c'est toi qui vas être la supérieure à partir de maintenant. Et puis là, je sais pas si vous pouvez imaginer, mais là, beaucoup des sœurs, là, étaient toutes du côté de... On pourrait dire que la majorité des sœurs étaient du côté de Sœur Marianne, là. Donc, tout ce qu'il a pu se dire aussi, parce que les sœurs allaient voir Sœur Marianne, tout ce qu'il a pu se dire aussi, là, tu sais, les échanges puis entre eux autres, puis peut-être aller demander des explications à
tu sais, dire, bien, c'est-tu vraiment ça qui s'est passé? C'est quoi qu'il a dit un tel? Puis as-tu vraiment dit ça? Puis as-tu envoyé ça? Puis bon, etc. Puis mon Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, tout ce placotage-là, tout ce qu'il a pu se dire, là. Donc ça, on ne sait pas, on n'en sait rien là, de ce que c'est qu'il a pu se dire, puis se faire, mais je veux dire, c'est juste pour montrer l'atmosphère là, dans laquelle... Parce que là, eux autres, dans le fond, M. Maréchal, lui, c'était comme un... Lui, c'était vraiment une épine qu'on enlevait de son pied. Parce que dans le fond, lui, le problème, c'était la fondatrice. Donc, en l'éclipsant, en la tassant, là, lui, il était pour avoir le champ libre complètement à Vaudreuil. Puis là, lui, les élections, dans le fond, c'est que c'était lui-même qui voulait les diriger, les élections, mais il n'a pas pu, cette fois-là, les diriger parce que les filles étaient trop bouleversées pour être en mesure de nommer quelqu'un. Puis c'est là que Monseigneur, finalement, a décidé de trancher. Et même un jour, même Marie-Angèle qui a été nommée, là, elle, même à l'écran, Monseigneur Bourget a dit, si c'est possible, là, a dit, j'aimerais quitter. J'aimerais quitter, mais bien entendu que... Ah oui, puis elle rajoute cette petite phrase-là, s'il était possible, mais elle dit, je prends le conseil de notre directeur. Et c'est ce qui m'attire la contrariété de plusieurs de mes sœurs. Donc elle, voyez-vous, elle se trouvait vraiment entre l'arbre et l'écorce. Puis elle, c'est une des plus attachées. En plus, même Marie-Angèle, là, c'est une des premières, ça, à Vaudreuil. Elle était vraiment à Vaudreuil quand ça a commencé. Et elle a toujours été attachée à Mère Marianne. Fait que voyez-vous comment son cœur pouvait être déchiré. D'un côté, elle est tirée parce que là, elle se trouve être supérieure. Puis là, le directeur qui est dans ça, qui essaie de tirer tout son bord à lui. Puis là, elle qui garde son amour, puis toute sa confiance en la fondatrice. Donc, ça crée tout un climat. Donc, ce ne sera pas facile pour elle de diriger pendant ces 3 années-là. Parce que finalement, on va écouter son mandat, on va dire 3 ans, là, c'est assez. Donc, le 16 septembre, Sœur Marianne reçoit à 9h du soir les derniers sacrements. Puis là, on pense que c'est fini. Et il dit, nous sommes toutes édifiées du courage et de la patience avec laquelle elle souffre de cruelles douleurs. Voici ses plaintes les plus ordinaires. Voici ses plaintes. Voici les plaintes qui sortaient de sa bouche. Que le saint nom de Dieu soit béni. En pleine maladie, en train de mourir avec tout ce qu'elle avait subi, dans ses souffrances puis dans sa maladie, elle dit que le saint nom de Dieu soit béni. Donc, ça montre toute la valeur de cette femme-là. C'est une femme incomparable, exceptionnelle. Donc, M. Maréchal soumet à Monseigneur le cas de Sœur Marianne. Ah oui, c'est parce qu'à un moment donné, il avait subi. Ouais, puis lui, pendant cette maladie-là, là, la manière dont il interprète ça, lui-là, là, dans le fond, lui, c'est comme un coup qu'il aurait fait. Tu sais, le fait de tomber malade, justement, juste après les élections, pour rester à Maison-Mère, tu sais. C'est comme si elle aurait provoqué cette maladie-là pour se donner un prétexte pour rester à la Maison-Mère, tu sais, encore. Pour, tu sais, en continuer, tu sais, comme d'alimenter, si vous voulez, là, le conflit. Donc, c'était toute une affaire, là. Et puis là, lui, il soumet le cas de 2 religieuses à Monseigneur, et parmi une, celle-là, bien entendu, Sœur Marianne. Puis là, il dit à Monseigneur, d'après toutes les affaires de cette sœur, en parlant de Sœur Marianne, on ne doit s'attendre qu'à des troubles de sa part. Donc là, c'est assez clair, là. C'est une lettre, ça, qui est écrite à Monseigneur Bourget. Je pense que l'intérêt de son âme et celui de la communauté, regardez là jusqu'où ça va, là, cette affaire-là, là, demande qu'elle quitte la vie religieuse. Pas seulement de la communauté, mais là, lui, il y avait dehors, pas seulement de la communauté, mais de la vie religieuse. Et là, c'est là, par contre, Monseigneur, regardez comment que Monseigneur, là, c'est là qu'on voit que Monseigneur, comment qu'elle a baissé beaucoup aussi, il a perdu beaucoup de confiance en elle. Il répond ceci. Mais par exemple, il n'est pas d'accord, là. Mais il dit ces choses trop importantes pour être traitées trop vite. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il faut dans chaque communauté des sujets qui exercent les autres. Ça veut dire que, tu sais, que c'est eux autres qui apportent le trouble, mais c'est bon qu'il y en ait parce que ça aide les autres, dans le fond, à grandir dans la vertu. Donc, elle est devenue, c'est elle, le sujet de trouble là, dans la communauté. Et vraiment le trouble. Même pour Monseigneur, là, c'est rendu qu'elle, elle est le trouble dans la communauté. Mais dans le fond, elle dit, il faut les garder, ces sœurs-là, parce qu'ils sont bonnes pour une chose, entre autres, c'est que, justement, ils aident les autres à être des saintes. Hein? Il faut donc tout autant les garder. Donc, il dit, finalement, il dit, il faut les garder, ces sœurs-là, que de s'exposer à avoir pire. Parce qu'un peu, comme on dit souvent, à vouloir choisir sa croix, on peut en choisir une plus lourde encore. Hein?
il y avait un saint comme ça, ou quelqu'un en tout cas qui disait ça, il dit, il demandait au Seigneur, en tout cas, je ne sais pas s'il y avait une apparition du Seigneur, puis il disait, parce que tu sais, il était tanné de sa croix. Puis le Seigneur, il avait montré pète poule de croix, là, puis il dit, choisis. Choisis laquelle que tu vas avoir parmi celles-là. Puis là, il en prend une, puis il dit, c'est exactement celle que tu portes. Donc, il dit, on va les garder, ces sœurs-là, parce que on pourrait s'exposer à pire. Il dit, allons doucement et Dieu sera pour nous. Donc, le 23 septembre, Marie-Angèle écrit à Monseigneur que la malade est dans un grand état de faiblesse et non encore hors de danger. Elle a demandé pardon aux sœurs au sujet de la mauvaise édification qu'elle leur avait donnée au sujet de M. Maréchal, le sous-directeur. Elle est bien disposée à vivre avec lui comme si elle n'avait jamais eu aucune difficulté. C'est-à-dire que là, elle décide, là, elle a dit, bon, OK, c'est correct. Je prends ça sur mes épaules pour apaiser, hein, pour qu'il y ait la paix dans la communauté, puis que la communauté continue à vivre, parce que là, les sœurs sont bouleversées. Donc, elle dit, non, c'est vrai, je prends ça sur mon dos, c'est moi. Et le 2 novembre, sœur Marianne est reçue à Montréal, ah oui, par Monseigneur Larocque, OK. Parce que là, finalement, oui, c'est que là, la fameuse maladie, c'est que là, finalement, le médecin dit que là, oui, est assez en état, là, pour, bon. Fait que là, aussitôt que là, M. Maréchal, le directeur, là, lui, il sait que là, il est en bonne santé. Là, il écrit tout de suite à Mgr Bourget, puis il dit, là, le médecin, il a dit qu'elle pouvait sortir. Fait qu'en voulant dire, il est temps qu'elle parte pour Sainte-Geneviève. Fait que là, finalement, et là, à ce moment-là, Mgr Bourget est parti, lui, à Rome. Il avait un voyage à Rome, donc il était parti à Rome et est accueilli plutôt par Monseigneur Larocque. Et puis là, le Monseigneur Larocque, lui, il commence à parler avec elle, puis finalement, il trouve qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, dans le fond. Il dit, elle m'a paru obéir volontiers et les promesses qu'elle m'a faites me font espérer que la grâce du bon Dieu va faire cesser tout à fait l'épreuve à laquelle vient d'être soumise votre communauté. C'est loin d'être une femme. Mais par contre, celle qui va partir pour Sainte-Geneviève, là, on se rend compte que ce n'est pas si en santé que ça. Là. Et puis que tout au long du voyage, on dit qu'elle cherche du regard les croix, tu sais, les croix de chemin, il y en a plusieurs. Puis à chaque croix qu'elle rencontre, elle disait au Seigneur, « Mon bon Sauveur, prenez ce que j'ai de trop, s'il vous plaît, afin que je puisse me rendre où vous voulez. » Juste pour nous signifier l'état dans lequel elle était. Donc, ici, on dit, ses biographes disent, elle vient de fermer la page la plus douloureuse de sa vie, mais ce n'est pas terminé. Mais ce n'est pas la dernière. Donc là, elle quitte Vaudreuil, là. Là, elle s'en va à Sainte-Geneviève prendre son poste, parce qu'elle est quand même nommée là supérieure. Et là, là-bas, par exemple, elle ne fait rien voir aux religieuses là-bas. On dit silencieuse, résignée, d'humeur souriante et égale. Elle offre aux autres le sourire et garde pour elle la croix. Dans le fond, c'est ça, la sainteté. C'est qu'elle, elle peut voir les souffrances. Mais dans la nuit, par exemple, elle se pense toute seule, puis qu'il n'y a personne, puis que les religieuses n'entendent pas. Puis là, ils ont comme un petit réfectoire, une petite chapelle. Et puis là, par exemple, là, elle pleure. Puis là, elle ne croit pas être entendue par personne, mais d'autres religieuses l'entendent. Et puis là, elle pleure. Puis elle en a pleuré. Elle en a pleuré longtemps. Et par contre, ce qui va la consoler, c'est que là, on est en 1854, et là, approche. C'est pour ça que Monseigneur est parti. C'est parce que le dogme de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854, par Pie IX, qui va être proclamé. Donc là, ça va être pour l'occasion pour elle comme d'un renouveau, parce que là, comme aussi ses tâches, il donne plus de liberté. Donc là, elle va se livrer complètement. C'est comme une espèce de consécration qu'elle fait à la Vierge Marie. C'est-à-dire qu'elle s'était donnée déjà à l'âge de 20 ans, à la Vierge Marie. On a trouvé écrit de sa main. Puis là, à ce moment-là, elle a commencé à peine à écrire, parce qu'on a dit qu'elle était analphabète jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, elle a commencé à écrire, puis elle avait marqué qu'elle se donnait, sur une petite image qu'ils ont trouvée de la Vierge Marie, c'était écrit qu'elle se donnait à Marie, bon, etc. Il y avait juste une petite phrase comme de quelle elle faisait sa donation. Et là, elle va élaborer un peu plus à l'occasion, justement, du dogme. « Je fis les vœux à Dieu dans l'église de Sainte-Geneviève, avec la permission de M. Louis-Marie Lefebvre. » Ça, c'était le curé là, qui les avait reçus là-bas. Donc, mon directeur, de réciter tous les jours le petit office de l'Immaculée. Voyez-vous, encore toujours l'obéissance, elle demande toujours la permission. Et de porter la médaille de Marie-Immaculée tous les jours de ma vie. Premier motif, première raison, honorer d'un culte tout particulier la très sainte et immaculée conception de la très sainte Mère de Dieu.
Deuxièmement, obtenir par l'intercession de cette bonne mère le bon esprit pour tous les membres qui composaient actuellement et qui composeront par la suite la petite famille et les filles de Sainte-Anne. L'esprit de zèle pour procurer la gloire de Dieu, le salut des âmes, l'esprit de simplicité, d'abnégation de soi-même, l'amour des souffrances et des humiliations. Le détachement des biens de la terre, mais plus particulièrement de soi-même, l'esprit de soumission à la très sainte volonté de Dieu dans tous les événements de la vie et l'esprit d'obéissance à toutes les autorités légitimes signées Marianne. Donc, voyez-vous, ça va, dans le fond, c'est dans l'esprit de sa vie, ça a toujours été de sa vie. Et à la même occasion aussi, elle va faire une promesse aussi à Sainte-Anne. Elle ne dit pas, ce n'est pas des vœux, mais là aussi, elle promet à tous les jours de faire le petit office de Sainte-Anne. Et puis là, elle confie, dans le fond, sa communauté, elle confie toutes ses filles. Elle dit en faveur, elle dit, bon, par l'intercession de Sainte-Anne, en faveur de toutes mes chères filles spirituelles, elle demande le don de l'enseignement, toutes les vertus que doit posséder de bonnes religieuses destinées à la formation de la jeunesse. Qu'elles aient un zèle infatigable pour le salut de tous les enfants confiés à leurs soins, qu'elles en soient ainsi par la grâce de Dieu. Amen. Et à cette même époque-là, un petit peu plus tard, on ne sait pas comment ça se fait, mais elle a eu le privilège d'aller faire une retraite d'un mois. Dans ce temps-là, il y avait les exercices de Saint-Ignace. Et c'était justement Mgr Larocque là, qui l'avait accueilli. Puis finalement, il avait trouvé qu'elle n'était pas si bornée que ça. Là, elle était plutôt docile même, qu'il la trouvait plutôt docile. Mais là, lui, il avait prêché cette retraite-là. Et au cours de cette retraite-là, il avait demandé une chose. Parce que la retraite de Saint-Ignace, tu médites une semaine de temps sur le péché. Une semaine de temps, en tout cas, il y a 4 semaines. Et puis là, à la fin de tout ça, il y a toute une confession que tu fais. Donc, elle a fait sa confession, elle, à Mgr Larocque et tout ça. Et là, il avait demandé une chose. C'est là que ça va changer un petit peu, elle, son orientation qu'elle va donner à sa manière, elle, de participer à la communauté. Donc, même si autour d'elle, voyez-vous, on dit non, on ne veut pas, on t'enlève de toutes les charges, elle va participer d'une autre manière. Donc, on dit ceci. Bon, et diriger les essais de la tête. Bon, il me chargea d'une tâche bien glorieuse, mais en même temps bien pénible. Ce fut d'expier tous les péchés qui s'était commis dans la communauté, d'expier tous les péchés qui s'étaient commis par tous les membres qui la composaient. Alors, donc j'embrassais avec courage la pratique de faire tous les jours le jeûne romain que j'ai observé depuis par la grâce de Dieu, et cela constituait pour moi à ne prendre qu'un once de nourriture par jour, avec une tasse de café le matin. Et trop heureuse d'être la victime expiatrice et réparatrice de son infinie majesté et outragée. Donc, elle était heureuse parce qu'elle participait en même temps à la passion. Ben oui, par sa croix, elle participe à la passion. Donc, elle était heureuse, elle, de participer. Voyez-vous, ça devient comme un honneur à ce moment-là de réparer, elle aussi. Dans le fond, comme Jésus l'a fait, en montant sur la croix, il a réparé pour nos péchés. Donc, c'est la même manière, voyez-vous, qui est demandée, la même immolation. Voyez-vous, tu vois vraiment la figure du Christ souffrant là, à travers sa vie. Oui, mais un Christ qui, comme le Christ qui était heureux de le faire, parce que Jésus, OK, il a souffert, mais il était heureux de le faire, parce qu'il voyait justement ce que ça donnerait. C'est qu'il nous rassemblerait tous avec lui par son sacrifice. Mais elle, c'est pareil. C'est que par son sacrifice, elle rassemblait tout ça, elle gardait, elle, sa communauté. Sa communauté ne se perdait pas. Elle gardait sa communauté. Et ça va durer un peu plus de 2 ans, le jeûne romain, là, comme elle l'appelle. Elle aurait continué, mais sur ordre de sa supérieure, elle a arrêté. Puis c'est là qu'elle rajoute toujours, l'obéissance est plus agréable à Dieu que le sacrifice. Donc, elle obéit, mais ça a duré quand même 2 ans, son jeûne que s'est imposé. Donc, elle a la claire vision d'un appel d'en haut. C'est en expiant, en sanctifiant que désormais, elle servira le mieux sa communauté. Et des grâces neuves la sollicitent dans le sens d'une abnégation complète de ses droits de fondatrice. Ce n'est pas juste des droits de supérieur, là, de direction. Mais même de s'effacer là, jusqu'au point de... C'est qui ça, Sœur Marianne? On la voit toujours au fond, et toujours au fond de la... C'est qui ça? Même au point de se demander, même on va poser des questions, parce que quand tout ça va éclater, là, que ça va sortir au grand jour, à un moment donné dans l'histoire, une fois qu'elle va mourir, là, tout va sortir, à un moment donné, ça va finir par sortir... Même, il y a des élèves qui étaient en noviciat, ils ont dit, on n'a jamais entendu parler de la fondatrice. Jamais. On ne savait même pas son nom.
On nous parlait des mères fondatrices, mais on ne parlait pas de la mère fondatrice. Elle dit, on n'a jamais entendu son nom, je ne savais pas c'est qui. Mais on savait, ou bien si on le savait, on savait que c'était une petite religieuse, mais on ne savait pas, on savait que c'était... Mais on l'a su par après en sachant son nom, que c'était la petite religieuse qui se tenait toujours au fond. Puis qui avait l'air qu'on la mettait toujours dans les plus bas emplois, comme si justement elle n'était pas trop intelligente, tu sais, pour faire d'autres choses. Parce qu'on la mettait, tu sais, à des ouvrages manuels, tu sais. Donc, on va la laisser. Donc, elle-même est prête à perdre ses droits de fondatrice. Donc, le malheur pour Mère Marie-Anne, bon, là, à son couvent là-bas, c'est que. À Sainte-Geneviève, c'est que son couvent est le couvent le plus... Voyez-vous, parmi tous les couvents, là, c'est celui qui est le plus déficitaire. Mais elle, il faut qu'elle... Puis malgré tous les rapports, même à un moment donné, elle va faire des rapports là, méticuleux, même jusqu'à dire, il reste tant de lits de farine, tant de ci, puis tant de ça, ça va aller jusque-là, là, pour montrer, que... Puis même dans toutes ses dépenses, elle demande toujours la permission. À un moment donné, elle demande la permission, pour parce qu'il avait fait bâtir une petite chapelle. Donc, pour la chapelle, elle avait besoin de certaines choses. Des nappes d'hôtel, certaines choses comme ça. On lui a tout refusé. Ils ont dit non, cette année, vous n'avez pas. On vous refuse. Acceptez que là, cette année-là, ils ont dit que les pourceaux avaient eu, eux autres, ce qu'il fallait, parce que ça demandait une séparation pour les nouveaux-nés, tu sais, séparer les nouveaux-nés, les petits pourceaux. Eux autres, ils avaient eu la permission de faire ça, là, cette séparation-là. Ils ont dit cette année-là, les pourceaux ont eu le ont eu ce qu'il fallait, mais pour le reste, non. Elle ne pouvait pas faire aucune dépense. Et tout ça, donc, tout ça va entraîner d'autres conflits, parce que là, comme là, parce que le couvent mère, parce qu'habituellement, les autres petits couvents, leur, comme leur surplus, ça va à la maison mère. Mais la maison mère aussi, elle non plus, tu sais, elle vivait. Ils ont été pauvres, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas. Donc, ils comptaient un petit peu sur leur mission aussi pour aider la maison mère aussi à se débrouiller. Puis même encore là, jusqu'à présent, là, c'était toujours des curés, tu sais, que, donc, c'était pas vraiment une maison à elle, là, ça ne leur appartenait pas à eux autres. C'était souvent sur les terrains, des curés, là, tu sais, de la paroisse, qui leur était offert au nom de la paroisse, bon, une maison, et puis c'est là qu'ils faisaient leur monastère. Mais les sœurs n'avaient pas encore eu, eux-mêmes, une propriété qui leur appartenait. Mais là, vraiment, il fallait qu'ils fassent vivre les religieuses qui étaient là, puis là, plus le nombre aussi grandissait. Puis le nombre de pensionnaires, parce que dans les années, là, ça, quand ils vont être au début, là, à Saint-Jacques, là, ça va passer d'une soixantaine à 200 en quelques, dans une période des pensionnaires, des jeunes. Là. Donc, à part des religieuses puis tout ça, là, fait que ça fait du monde à nourrir, ça fait du monde. Donc, c'est pour ça que. Mais ils ont mis beaucoup de pression sur elle. Mais toujours pour la faire passer comme quelqu'un qui n'était pas capable d'administrer, même un petit couvent local. T'sais, là, on venait de prouver parce que Monseigneur venait de la destituer. On lui avait dit, non, vous n'êtes pas apte à prendre en charge toute la communauté. Mais là, c'est ce qu'on essaye de leur faire, ce qu'on essaye de faire dire là, à Monseigneur, parce que tout le temps, des rapports qui sont donnés. Là, on va essayer de faire dire que même là, même pour un petit couvent, là, elle n'est même pas capable de l'administrer. Donc, même ça, ça va y être enlevé. Même ça. Donc, finalement, Mère Marie-Angèle, elle va quitter à bout de 3 ans. Finalement, son terme va se terminer. Et là, finalement, on va nommer Sœur Marie de la Purification. Mais c'est bien marqué, personne n'y tenait. Mais nous fûmes obligés d'obéir. Puis là, on peut voir là-dedans la main du directeur, parce que lui, il poussait toujours ses candidats. C'est ça, pendant 18 ans, c'est comme ça, c'est qu'il va pousser ses candidats. Parce que justement, il choisit celles qui, bien, pas parce que c'est les plus stupides, là. C'est pas ça, mais celles les plus aussi qui peuvent avoir le plus d'influence. Celles qui sait sur lesquelles il peut avoir plus d'influence, il pousse leur nomination. Donc, c'est ce qui va arriver avec elle. Elle aussi, Sœur Marie de la Purification, qui va devenir Mère Marie de la Purification, et elle a 26 ans. Et là, on va faire une visite à Sainte-Geneviève. Puis là, c'est là, finalement, on va faire un rapport. On va dire, les élèves ont assez d'ordre, assez de piété, assez de modestie. Ils font assez de progrès. Le règlement est assez bon, assez bien observé. Mais pourtant, le département de l'instruction publique, lui, quand il va... Il dit, il y a dans cette municipalité une académie de filles dirigée par les sœurs de Sainte-Anne, et l'académie est tout ce qu'on peut désirer de mieux.
Mais eux autres, quand ils vont aller faire le rapport, là, la maison de Vaudreuil, ils vont aller faire le rapport là-bas, ils vont dire, ah, bien, c'est assez bon, assez ci, puis assez ça. Mais le rapport qu'ils vont envoyer à Monseigneur Bourget va être complètement différent. Et c'est là qu'on va dire, en résumé, peu de charité à Sainte-Geneviève. Quelques mois, ils valent un an d'épreuve au noviciat. La supérieure est dure pour ses sujets. Il y a dans ce couvent manque d'esprit de simplicité et de pauvreté. En bien des domaines, plusieurs dépenses inutiles. Donc, c'est le rapport qu'on va envoyer à Monseigneur Bourget. Et pourtant, on a des textes complètement contradictoires. C'est-à-dire d'Assyr de Mère de la Purification, là, avant envoyé. Il y a deux textes. Il y a un texte qu'elle écrit en 1857 quand elle est supérieure, donc un peu dans ce champ-là, là, c'est ce que je viens de lire. Mais en 1909, donc même ça, c'est après la mort, là, c'est comme si elle avait tout oublié ça. Parce qu'elle dit qu'elle était mère dans la force du terme, ce que c'est que j'ai lu aussi au début, là, était mère dans la force du terme, sa douceur, sa bonté. Nous nous disions en parlant d'elle que nous avions un grand modèle qui marchait à notre tête, donc etc., etc. Mais jamais, voyez-vous, en 1909, jamais elle fait appel à ces événements-là, où elle disait qu'elle était dure, qu'elle était ci, qu'elle était ça, puis que, etc. Mais là, c'est le rapport qu'on va envoyer. Et là, bien entendu, là, on va demander l'avis de M. Lefebvre, le curé Lefebvre, le curé de Sainte-Geneviève. Là pour une fois, là, on va lui demander son avis. Parce que là, ils vont dire, eux autres, sont, à Vaudreuil, ils sont tannés. Parce qu'ils disent qu'ils sont tannés de, qu'elle se passe pour être persécutée. Que même Marianne, ils envoient ça au curé, puis là, ils écrivent ça, puis ils disent, nous autres, là, on est tannés de que Mère Marianne, là, elle se prenne toujours pour une persécutée. Puis là, ils demandent son avis, là, parce que là, ils savent, là, parce qu'il y a des lettres qui s'échangent là, entre Sainte-Geneviève puis la Maison-Mère, mais la Maison-Mère aussi l'envoie là. Mais elle, Mère Marianne, elle envoie toujours à Monseigneur et puis à M. Lefebvre. Donc, M. Lefebvre est au courant de toutes les deux lettres. Puis là, eux autres, ils voulaient avoir son avis. Et puis là, M. Lefebvre, le curé Lefebvre, là, lui, il va prendre la défense de Sœur Marianne. Puis à la fin, finalement, il va dire, oui, vraiment, elle est persécutée. Et c'est là que ça va être la fin pour elle. C'est ça qui va déclencher la fin. Parce que là, il va y avoir une dernière offensive à Monseigneur Bourget. Pas Vaudreuil, mais veut dire Saint-Jacques va envoyer des rapports à Monseigneur. Puis là, il va avoir. Et puis là, le 19 avril 1858, Monseigneur Bourget écrit à Maison-Mère. Je pense que vous n'ayez autre chose à faire que de rappeler aussitôt la sœur Marianne à Saint-Jacques, où vous lui prodiguerez toutes les bontés en votre pouvoir en lui donnant tous les moyens de se reposer sans nuire à personne. Donc, ils apprennent dans le fond comme quelqu'un qui, à cause de sa santé, finalement, on va l'enlever de là. Mais aussi, vous y prodiguerez tous les soins qu'il faut, mais sans nuire à personne, sans qu'elle puisse nuire à personne. Et là, elle ne savait pas ça, là, que c'est à cause de son état de santé qu'on l'a ramenée à Saint-Jacques. Et c'est plus tard qu'elle va savoir ça par une religieuse. Puis là, elle va écrire ça à Mgr Bourget, mais elle dit, comment ça se fait? En voulant dire que même si c'est à cause de mon état de santé, c'est pas une affaire pour m'enlever toute charge. Bon, puis tout ça, puis elle dit que même si à cause de mon âge, il faut quand même, en voulant dire, il faut continuer à travailler, parce que là, c'est vrai qu'on sera, là, c'est vrai qu'on va être incapable de travailler par la suite. Et puis c'est là qu'elle dit, j'ai besoin d'avoir continué. Elle avait dit, avec toutes ces épreuves-là, puis tout ce qui s'enchaîne, tout ce qui me tombe sur la tête, là, elle dit, j'ai besoin d'avoir continuellement dans la bouche et encore plus dans le cœur, ces paroles du Saint-Roi pénitent. J'ai espéré en vous, Seigneur, et je ne serai pas éternellement confondu. En voulant dire que ça, c'est pour un temps, mais ce ne sera pas pour l'éternité. C'est pour un temps. Donc, mais par contre, voyez-vous, à la même époque, au moment où elle va être encore humiliée, détachée de toutes ses fonctions, là, elle, voyez-vous, il y a une poussée là, dans sa communauté. Parce que là, il va envoyer une mission qui s'ouvre. Il y a un Monseigneur là-bas, à Vancouver, qui va demander les religieuses. Et là, elle, voyez-vous, trois religieuses vont être nommées là-bas. Mais toutes les religieuses sont demandées. Tu sais, il faut qu'ils écrivent par écrit, il faut qu'ils envoient une lettre à supérieur pourquoi qu'ils voudraient être missionnaires là-bas à Vancouver. Puis ils expliquent ça. Puis parmi toutes ces lettres-là, bien là, ils faisaient le choix de trois religieuses.
Et ça a toujours été le désir de Sœur Marianne d'aller là-bas. Pas d'aller à Vancouver, mais que ce soit à Vancouver ou ailleurs, mais d'aller en mission. Parce que là, c'était les Indiens qui allaient évangéliser là-bas. Ça a été un grand désir. Puis là, finalement, la supérieure avait dit, bien, écrivez votre lettre comme les autres, puis on verra. Mais finalement, elle sera jamais, ils l'inviteront jamais à y aller. Jamais, jamais, jamais. Donc, elle sera juste missionnaire de désir. Et même, on lui refusera même la permission d'aller embrasser les sœurs qui vont partir pour la mission. Elle va demander la permission, ça peut... Et puis, on va lui refuser la permission d'aller embrasser les sœurs qui vont partir en mission à Vancouver. Et puis, en plus, c'est que quand elle arrive à Saint-Jacques, c'était pendant l'été, on l'envoie à Saint-Ambroise, c'est une autre petite maison qu'il y avait eux autres, là aussi. Il l'envoie à Saint-Ambroise. Aussitôt qu'elle arrive, il l'envoie là-bas. Puis en plus, là, il y avait eu un changement dans les constitutions puis dans les règles de la communauté. Et puis, on devait en faire la lecture. Puis elle voulait rester pour entendre les modifications qu'on avait faites. Et puis, c'est là qu'on l'envoie à Saint-Ambroise. Ils n'ont même pas laissé la chance d'entendre ce qu'on avait fait. Puis, il l'envoie à Saint-Ambroise pendant tout l'été. Et puis là, finalement, pour lui donner pendant une année absolument rien, c'est zéro. Pendant une année, rien. Il ne donne aucune tâche. Aucune tâche, aucune obédience, aucun travail, aucun emploi pendant un an. C'est le vide pendant une année. Et finalement, le curé Paris, qui était le curé de Saint-Jacques, va mourir. C'est celui qu'on appelait le curé d'Ars, le Saint-Curé d'Ars, va mourir. Et là, lui, le monsieur Maréchal, tu sais, qui est le guide spirituel, lui, il va vouloir avoir la charge du curé, parce qu'il va devenir à ce moment-là supérieur ecclésiastique de la communauté. Il va devenir. Puis lui, en même temps, bien là, parce que c'est une belle et grande paroisse, ça, Saint-Jacques. Et puis lui, il aspire, lui, à devenir évêque. Fait que ça peut être un tremplin pour lui dans sa carrière, là, pour aller plus loin. Mais lui, il y a un frère. Parce que là, s'il quitte comme directeur spirituel, il va avoir un trou. Fait que lui, il écrit à Monseigneur. Puis là, il dit, j'ai mon frère. Qui lui, il a fini ses études, il est prêtre, et puis tout ça, puis il pourra très bien faire l'affaire comme directeur spirituel pour les sœurs. Fait qu'en tout cas, placote, puis finalement, Monseigneur accepte tout ça. Tout est accepté. Fait que lui devient curé de la paroisse, et puis son frère s'en vient comme chapelain des sœurs. Fait que là, vous voyez que... Donc, ça va continuer encore. Ça veut dire que son influence... Puis les deux frères sont à peu près pareils, bien entendu. Donc, ça va continuer. Donc, ils vont se partager, dans le fond, la tâche, là, les deux frères ensemble. Donc, après une année éternelle, oui, pour elle qui a semblé éternelle, parce qu'on l'avait mis à zéro, là, finalement, on lui donne deux fonctions. Robière et sacristine. Oui, mais sacristine de qui? Là, elle est à Saint-Jacques, là. Elle est à Maison-Mère. Sacristine, tu t'occupes de la chapelle, tu t'occupes de tout ça, là. Oui, mais de qui? Du curé. Le curé, c'est qui? Ben oui. Son grand ami de toujours. L'abbé Maréchal, le curé Maréchal, le directeur spirituel. Et là, elle écrit à son évêque là-dessus, par exemple. Elle écrit à son évêque. Puis là, il explique, bon, d'abord qu'elle a eu une grande grâce parce que l'année d'avant, elle avait été réduite à zéro. Et puis là, cette année, on a eu assez confiance en moi pour m'en confier deux tâches. Hein? Ces offices sont la sacristie de la paroisse et la robberie. Ce premier office m'a fait d'autant plus plaisir à le regarder des yeux de la foi qu'il me procure le bonheur de faire de plus nombreuses visites au Très-Saint-Sacrement parce qu'on va être plus souvent à l'Église. Le second avantage est que, remplissant cet office, il me donne un trait de ressemblance avec la divine Marie, qui remplissait les mêmes fonctions dans le temple de Jérusalem. Et la troisième avantage, que je n'apprécie pas moins, c'est que cet office me donne des rapports plus fréquents avec Monsieur le supérieur, c'est-à-dire Monsieur Maréchal, notre directeur, et que par une soumission et obéissance respectueuse à toutes ses volontés,
a dit, je pourrais peut-être parvenir à lui faire perdre les impressions peu favorables qu'il a conçues contre moi. Je m'y suis mis tout de suite et de bon cœur. Le bon Dieu m'a accordé une récompense, la grâce de changer les dispositions du cœur de M. Maréchal. Au moins extérieurement, je ne vois plus maintenant sur sa figure, ni dans son air, ni dans ses paroles, ce froid glacial que j'y voyais dans toutes les rencontres. Je n'ai qu'à le féliciter de sa bonté envers moi et de tous ses bons procédés à mon égard et à bénir le Seigneur d'avoir ainsi changé son cœur. Cela me fait du bien. Cela me met bien à mon aise dans les rapports que j'ai avec lui. Je n'éprouve plus cette gêne, cette contrainte qui m'a tant fait souffrir. J'espère aussi que ma santé elle-même y trouvera son avantage. Ben oui, parce que chaque fois qu'il est en contact avec lui, ben surtout quand tu as eu la destitution, là, tombe malade. Lui qui pense, dans le fond, c'est juste une maladie. Il va appeler ça une maladie diplomatique. Donc, un pénible conflit de 6 ans vient de prendre fin. Aux yeux des hommes, Mère Marianne y a tout perdu. Reste à savoir si devant Dieu, l'héroïque femme n'a pas eu le dernier mot. Et puis là, il termine ici, le pardon, vengeance des saints. Parce que dans le fond, c'est ça qui tend la main là, aux choses, c'est le pardon. Là. Elle dit, tu vois bien, là, dans mon attitude, puis tout. Là, puis là, elle dit, je m'efforce de toutes mes forces d'être, ben, dans le fond, comme si ce n'était rien passé. Donc, mais là, il reste encore 30 ans à vivre, là, elle. Là. Fait que ça fait des années, ça. Ça fait encore des années. Et nous sommes à ce moment-là en 1860. Et la communauté va porter à ce moment-là une quatrième générale, Sœur Jeanne de Chantal. Encore une qui est encore poussée par notre cher directeur. Et en mars 1863, arrive à Saint-Jacques le décret de louange. Oui, parce que pour la reconnaissance officielle de Rome, là, tu sais, de la communauté, bien là, a été approuvée canoniquement par Monseigneur Bourget. Mais là, il y a toujours un document avant l'approbation pontificale définitive, il envoie ce qu'il appelle le décret de louange. Et dans ce décret-là, c'est un décret avec une erreur. Parce qu'on dit ceci, dans la paroisse de Saint-Jacques, et non dans la paroisse de Vaudreuil, dans la paroisse de Saint-Jacques, s'est formée en 1850 une pieuse association de femmes sous le nom de Sœurs de Sainte-Anne. Et là-dessus, va se faire un grand silence. C'est ça que les biographes disent, il n'y a absolument rien. Ça veut dire qu'elle-même aussi, Sœur Marianne, va garder tout ça en silence. Ça veut dire que d'un coup de crayon, puis quand ça vient de Rome, là, t'effaces pas ça de même, là. Parce que ça veut dire qu'il y a des documents qui ont été produits par l'évêque, ça. Il faut qu'il y ait des documents qui ont été produits par l'évêque, des lettres, des ci, puis des ça, là, pour dire ça, là. Puis là, c'est décrit pour faire changer ça, là, ça... c'est pas juste des arguments, là. Donc, cette erreur-là va rester un bon bout de temps. Même après sa mort, ça va être après sa mort que ça va être corrigé. Donc, d'un trait de plume, Vaudreuil était rayé de sa vie. Or, sur cette nouvelle injustice, l'histoire n'a registré que son silence. Donc, un grand silence se fait là-dessus. Personne n'en parle. Tout le monde passe. Tout le monde est content. Ah, bon, ça y est, on s'en va vers la reconnaissance à Rome. Mais personne ne relève l'erreur là, qu'on vient de constater. Et puis là, va s'ouvrir une nouvelle maison. Et puis là, c'est à la Chine. Puis là, ça va être vraiment eux autres. Là, ils vont l'acheter. Là, c'est vraiment les Sœurs de Sainte-Anne. Pour une fois, là, c'est pas la paroisse ou un curé en quelque part qui les veut. Non, là, ils achètent eux-mêmes un bâtiment à la Chine. Et c'est là qu'ils vont faire le noviciat. Donc, Saint-Jacques va se vider là, tranquillement. C'est-à-dire que Saint-Jacques va devenir, dans le fond, juste une mission, là, comme les autres, là, comme Sainte-Geneviève, comme Vaudreuil, Saint-Ambroise, là, il y en a plusieurs. Et puis là, mais toute la maison mère va se diriger vers la Chine. Pas la Chine, là, pas en Chine, là, à la Chine. Donc, en 11 ans, là, ça fait déjà 11 ans là, que la communauté, donc il y a déjà 91 novices, 113 professes. Donc, voyez-vous, malgré toutes ces souffrances-là, la communauté grandit, toutes ces difficultés-là, la communauté grandit. Compte maintenant 10 maisons, dont 8 au Québec et 2 dans l'île de Vancouver. Si Mère Marianne a connu Saint-Jacques, les plus grandes épreuves de sa vie, la Providence y a comblé son œuvre de grâce de choix. Ses souffrances n'ont pas été stériles, donc ça grandit. Et le 17 octobre, Mère Marianne fait partie des premières prophètes à gagner la Chine, la ville de la Chine. Donc, au moment de son arrivée, c'est le frère de l'autre, là, Napoléon, là, qui l'accueille. Ben oui, parce que lui, il transfère. Lui aussi va... Va suivre la communauté. Accepter que notre monsieur le directeur, lui, va rester, parce que lui, il est curé, là. Il est curé, là, à Saint-Jacques. Donc, il va rester là, à Saint-Jacques. Mais son frère, lui, va,
Donc, voyez-vous, il va quand même avoir l'influence des deux frères. Et il dit, Monsieur Napoléon Maréchal sut lui dire qu'on l'y acceptait par charité à son arrivée là-bas. Par charité. Donc, à compter de l'intervention du curé de la Chine, M. Pichet, auprès de Mgr Bourget, les deux frères Maréchal. Ah oui, bon. C'est que là, à la Chine, c'est que là, il y a un nouveau, par exemple, directeur ecclésiastique là-bas, là, un supérieur ecclésiastique, il y en a un autre. C'est M. Pichet qui est là. Et puis là, lui, il va découvrir là, toutes ces affaires de manigances-là, puis surtout au moment des élections. Là. Parce que ça, c'est à la suite de Sœur Marie-Jeanne de Chantal. Sœur Marie-Jeanne de Chantal, là, la quatrième là, générale, là, elle va mourir à l'âge de 37 ans, parce qu'elle va faire une visite à un moment donné à Vancouver. Elle va aller voir les petites sœurs là-bas. Oui, puis il y a tout un épisode là, aussi avec eux autres, là, qui montre encore M. Maréchal qui a une emprise. Il ne voulait pas qu'elle écrive. Il fallait que toutes les lettres qu'elles écrivaient passent par lui. Même les lettres qu'elle envoyait à leurs parents, là, puis tout ça, là. Fallait que tout ça passe par lui avant d'être acheminé. Tout leur courrier. Fait que là, il y a toute une patente dans ça. Puis quand Sœur Marie-Jeanne de Chantal va aller là-bas, là, elle va tout découvrir, cette patente-là. En tout cas, elle aussi, là, elle n'en reviendra pas, là. Elle non plus de cette affaire-là. En tout cas, puis là, ça monte encore l'emprise de M. Maréchal. Parce que, tu sais, il veut pas. Parce que, tu sais, il veut éclipser complètement la fondatrice, là. Puis il a peur, dans le fond, un peu comme... Parce que pour lui, dans le fond, la fondatrice, ça l'a été comme un concurrent, comme quelqu'un qui pouvait y enlever sa place, là, dans le fond, là, lui. Puis lui, il veut la garder. Fait que c'est pour ça qu'il l'a toujours vu comme une espèce, comme si c'était une rivale, c'est ça. Donc, et puis là, à la mort de Sœur Jeanne de Chantal, mère Sœur Jeanne, à l'âge de 37 ans, là, il va découvrir tout ça. Et puis là, lui, il va écrire. Là, il va prendre, il va écrire, là, il va dire, ça n'a pas de sens. Parce que là, il va se poser la question, en voulant dire, c'est qui, là, le supérieur ecclésiastique? En voulant dire, si c'est lui, là, bien, nommez-le, là, puis là, moi, j'ai assez de ma charge de curé, là, puis je vais lui laisser toute la place. C'est lui qui veut diriger, qui dirige. Mais là, lui, ce qu'il reproche là-dedans, il dit, pression directe exercée sur les volontés, choix arbitraire des futurs candidates, justement, aux candidats de supérieurs, etc. En plus, éloignement calculé de la Chine de celle qu'on prévoit opposer à la future candidate, c'est-à-dire celui, son candidat à lui, dans le fond, là. Il voulait être, donc, ceux qui avaient, qui pouvaient avoir de l'influence, il les envoyait ailleurs, tu sais, il les envoyait de la Chine. Il les envoyait dans d'autres couvents pour pas qu'ils aient d'influence, pour que, tu sais, lui, celle qu'il voulait avoir, qu'elle soit nommée. Et puis là, il dénonce toutes ces affaires-là, ces cachettes-là, comme ils disent, toutes ces affaires par en dessous. Puis là, il dit, dans le fond, il dit, je ne demande pas mieux là, que d'être, que de revenir seulement à ma simple tâche de curé. Il dit, j'en ai suffisamment. Et puis là, finalement, bien là, suite à ces lettres-là, là, Monseigneur, là, va dire, là, il dit, ouais, là, il dit, cette fois, là, il va dire à Monseigneur, là, c'est à M. Maréchal, t'as accompli ta tâche. Même, il demande de s'éloigner de la communauté. Il va essayer d'y revenir là, par tous les moyens à un moment donné, puis là, il va voir que là il n'est plus aussi bien reçu. Et puis là, c'est Mgr Bourget. Donc, ça veut dire après 18 ans. Là, il y a 18 ans qui vient de se passer. Là. Donc, pour la première fois en 18 ans, les religieuses qui vont nommer vraiment celles qu'ils veulent avoir à leur tête, pour la première fois librement, ils vont être en mesure de faire leur choix. Et puis là, ils ne sentiront pas de pression. Et justement, celle qui avait éloigné, là, il y en avait une qui venait des États-Unis, là, qui avait éloigné de la Chine, là, justement, parce qu'il y avait peur qu'elle soit nommée. Mais c'est elle, quand Mgr Bourget, en attendant les élections, là, parce que là, ce n'était pas encore le moment, donc il va la nommer. Elle va être nommée par intérim là, jusqu'à la fin du mandat, là, parce que mère de Chantal est morte. Donc, on va en nommer une jusqu'aux prochaines élections. Et finalement, c'est celle que lui avait éclipsée qui va être nommée. Et quand il y aura les élections, les vraies élections, le moment des élections, on va la renommer de nouveau, celle-là. Et c'est elle qui va être... Et toutes celles que lui avait pointées pour avoir des postes vont toutes être éclipsées. Ce n'est pas eux autres qu'on va nommer, c'est d'autres qui vont être nommés à leur place. Et finalement, bon, oui. Donc, Mère Eulalie est bon. Ah oui, mais par contre, à cette élection-là, c'est Mère Marie Eulalie, qui était des États-Unis, qui va être nommée supérieure. Mais, et là, à la surprise de tous, ce qu'on apprend... C'est que finalement, celle qui était nommée assistante générale, c'est Sœur Marie-Anne,
Sœur Marianne sort de l'ombre. Ça veut dire que la première qu'on a nommée, c'est Mère Marie Eulalie. Mais la deuxième, là, c'est Mère Marianne qui sort de l'ombre après 18 ans. Mais là, c'est pas facile de déraciner des préjugés. C'est facile de déplacer du monde, d'enlever du monde ici et là, mais d'effacer les préjugés. Puis comme dit le biographe, quand c'est installé dans les têtes de la communauté, c'est-à-dire ceux qui dirigent, là, ceux qui sont à la tête, il dit ça, c'est difficile d'effacer ces préjugés-là. Et puis là, c'est ça qui va être difficile d'enlever. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'un mois plus tard, à peu près, là, un mois plus tard, après les élections, c'est que celle qui aurait dû être nommée assistante générale va être éclipsée. C'est celle qui est arrivée deuxième, à la surprise de tous, qui va être nommée assistante générale. Alors que c'est les sœurs qui l'ont nommée là, Mère Marianne. C'est elle qui voulait avoir. Et puis là encore, voyez-vous, on va leur empêcher, voyez-vous, d'exercer vraiment leurs droits. Et puis on va nommer finalement la deuxième qui a été sur laquelle on a voté, qui c'est elle qui va devenir la première. Et Mère Marianne va être complètement éclipsée de tout encore une fois. Donc, on s'obstine à lui refuser tout, même son rôle de mère, hein, de mère fondatrice, on enlève tout. Et même au 25e anniversaire de la Fondation, on ne fait aucune mention de Mère Marianne comme fondatrice. C'est là, comme je vous disais tantôt, on parle de nos mères fondatrices, mais on ne parle pas de la mère fondatrice. Et là, aux élections, les autres élections suivantes, donc c'est Mère Marie-Anastasie qui va être nommée et Mère Marie-Eulalie qui avait été nommée, ça, elle, nommée assistante générale. Mais la deuxième après, là, c'est encore Sœur Marianne qui est nommée. Elle sort de l'ombre tout le temps, à chaque fois. Mais là, on dit que ce ne sera pas long. L'autre fois, il y a eu un mois, hein, avant que, bon, ils décident finalement. Ils ont dit le conseil majeur a décidé que. Mais apparemment, ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans les procès-verbaux qui dit l'histoire du conseil général, conseil majeur qui s'était réuni pour dire non, ce ne sera pas Mère Marianne, mais ça va être l'autre sœur. Et là, ça va prendre juste quelques heures parce que le conseil va se réunir. Le conseil majeur se réunit encore une fois et on existe Mère Marianne au profit de la troisième conseillère qui a été promis deuxième. Cette fois, quelques heures suffiront à la nouvelle administration pour consommer un délit semblable en violation de la volonté des sœurs qui ont voté. Donc, encore éclipsé. Et là, le 10 avril, et là, c'est là, oui, puis là, ça va être une autre croix qui va rester marquée dans son cœur. C'est que le 10 avril 1883, fut vendu le berceau de l'Institut à Vaudreuil. Vendu. Parce que là, le curé Archambault est mort à cette époque-là. Là. Et puis là, même c'était un autre prêtre qui avait pris ça. Même il avait offert la maison, il avait gardé la maison pour eux autres, parce qu'il savait, lui, que c'était le berceau de la Fondation. Et puis, en tout cas, il va arriver encore toutes sortes d'affaires. Et puis, finalement, eux autres vont décider de vendre au lieu de le garder. Ils vont vendre le berceau de la communauté. Donc, et ça, ça va être une croix encore là que va accepter en silence Mère Marianne. Et en 1884, le fameux décret de la sacrégation des évêques, là, il arrive de Rome, mais toujours avec la même erreur. Et là, par exemple, cette fois-là, Mère Marianne va se lever. Puis elle va dire devant tout le monde, puis devant le conseil, là, il y a une erreur. Il faut réparer ça. C'est pas à Saint-Jacques, c'est à Vaudreuil que le faut faire réparer. Et tout ce qu'on lui a dit, on lui a demandé de s'asseoir. Mais là, par contre, il y a des prêtres qui vont prendre ça en main. Le neveu du curé Archambault, quand il va entendre ça, là-bas, lui, il était aux États-Unis. Puis là, tout d'un coup, il reçoit un appel, ou en tout cas, d'une religieuse qui écrit ça, et toute contente, les décrets. Et il dit, c'est les décrets menteurs que vous avez sur vos communautés. Il dit, c'est un décret menteur. Il dit, il n'y en a rien qu'une qui a fondé, c'est Sœur Marianne à Vaudreuil. Il dit, vous reniez ce que mon oncle a fait pour vous, parce qu'en éclipsant Vaudreuil, c'est que vous dites, ça veut dire, vous reniez tout ce que mon frère a fait pour vous autres pendant tant d'années. Mais il dit là, il dit, moi j'avais fait un, lui il avait fait un, son, quand on meurt, là on fait un testament. Ouais, son testament à leur faveur, il dit, je résilie tout ça, je cancelle tout ça. Puis après ça, un autre, un monseigneur, lui, la même chose, il dénonce ce décret-là. Et puis là, à la suite de ça, par exemple, là, la supérieure décide,
quand elle envoie, parce que parce que ça demandait l'autorisation là, de voir si tout était correct, là, elle a joint une petite lettre dans laquelle elle a dit qu'il y a une erreur. Là, elle a dit de mettre que vraiment que c'est la fondation est pas née à et qu'elle est née à Vaudreuil et non à Saint-Jacques. Donc, il y a quand même quelque chose qui se fait dans ce temps-là. Mais elle ne verra pas la fin de ça. C'est seulement à sa mort. C'est Mgr Bruchesy de Montréal. C'est lui là qui va prendre ça en main puis qui va faire en sorte que le décret soit vraiment changé et que là, là-bas à Rome, ils mettent vraiment là, ce qui est nécessaire. Mais par contre, au milieu de tout ça, donc on peut dire qu'elle a été 32 ans, finalement, elle a été 32 ans à la maison mère, finalement. Mais comme on dit, c'est qu'elle a été dans les emplois plutôt, tu sais, repasseuse. Ça, c'est le job principal, repasseuse. Mais elle a été infirmière, elle a été catéchiste, elle a été, comme je disais tantôt, c'est elle qui enlevait les seaux d'aisance, là, des élèves, puis tout ça, là. Bon, toutes ces patentes-là. Donc, mais surtout repasseuse. Oui, mais par contre, elle a été, pendant ces 32 ans-là, en lien avec les plus jeunes, parce que c'était avec les plus jeunes. Donc, voyez-vous, on a voulu la retirer de toutes les fonctions officielles. Mais par contre, finalement, avec ces petits emplois-là là, qu'elle a eus, elle a été en contact, dans le fond, pendant 32 ans, avec 565 novices et postulantes qui ont pu l'avoir travaillé, qui ont pu l'avoir les édifier par son comportement, etc. Et c'est là qu'en travaillant avec elle, un jour, il était quatre à travailler sous ses ordres. Puis là, il faisait allusion au commencement difficile de la communauté. Et c'est là qu'elle avait répondu, « Notre Seigneur a planté la racine dans le fumier. Voilà pourquoi l'arbre a grandi si vite. » Et une autre fois, à un autre qui lui demandait comment il se faisait qu'elle, la fondatrice, fût maintenue à des emplois si humbles, elle avait répondu, « Plus un arbre enfonce ses racines dans le sol, plus il a la chance de grandir, de s'élever dans l'air et de produire des fruits. » Donc, quand on dit qu'elle avait vraiment fait son immolation, qu'elle avait vraiment accepté de tout perdre, mais pour sauver sa communauté. Dans le fond, elle était vraiment Jésus sur la croix, elle, pour sa communauté. Et elle va répondre plutôt par une vengeance d'amour. Donc, quand on va y parler bêtement, parce qu'il y en a des religieuses qui vont être au courant, vont voir comment qu'on est gentil envers elle. Mais elle, c'est toujours au contraire, c'est même envers ses supérieurs. Au contraire, elle demande, au contraire, un grand respect. Puis quand elle voit ses supérieurs, elle s'incline devant eux. Elle s'incline devant eux. Et ça, ça va édifier beaucoup la communauté. Et ils vont voir ça, ce rayonnement aussi, ce rayonnement de Dieu, parce que même au début de la communauté, on disait, on avait juste à la voir pour voir Dieu. Quand on la regardait, il suffisait de la voir pour être porté au bon Dieu. On voyait Dieu en elle. Et c'est ça qu'on, tous ceux qui ont été les différents prêtres, les différents directeurs spirituels, ils avaient quand même 32 ans à la Chine. Donc là, eux autres, ils vont voir vraiment, ils ont dit que c'était vraiment une sainte. Juste à la voir, là, c'était merveilleux. Puis même une fois, une petite religieuse s'est avancée pour dire, pour parler un peu du directeur, M. Maréchal, tu sais, parler un petit peu contre lui. Elle a dit, non, non, non. Elle a dit, ma sœur, vous vous donnez si vous allez dans... Parce qu'elle a dit, à travers les supérieurs, c'est le bon Dieu qui parle. Elle pensait peut-être que la supérieure était pour dire, oui, tu as bien raison, il était comme ci, il était comme ça. Non, non. Elle a dit, si vous allez dans cette voie-là, vous vous donnez. C'est de manière. Et elle avait des grandes dévotions à l'Eucharistie, mais ça a toujours été à partir de sa première communion. Le chemin de la croix, bien entendu, la Mère de Dieu, la Vierge Marie, une grande dévotion, Sainte Anne. Aussi Saint-Joseph. Saint-Joseph, pas seulement, parce que dans les communautés, on le prie pour les besoins financiers des œuvres, mais aussi comme directeur spirituel, parce que comme ça a pris plusieurs années avant qu'il y ait un guide spirituel, Monseigneur Bourget leur avait écrit, il avait écrit, puis il disait, « Oui, mais prenez Saint-Joseph. Puis si vous prenez Saint-Joseph, vous allez voir, il va vous introduire, lui, dans cette vie spirituelle, cette vie d'intimité. » Parce que lui, c'est le silence, hein? Saint-Joseph, c'est le silence. Donc, et Sainte-Anne, bien entendu, qu'elle appelait toujours la bonne Sainte-Anne. Et dans les dernières années de la dernière année de sa vie, dans la dernière année de sa vie, elle a eu quand même certaines consolations. Donc, en 1887, elle a encore failli mourir. Bon, on lui a donné les derniers sacrements, est revenue à elle, etc. Et elle a eu encore une grâce, parce qu'elle a eu des filles qui sont allées en Alaska. C'est là qu'elle a ouvert des missions en Alaska. Ils ont ouvert des missions en Alaska. Donc, elle, pour elle, c'était une grande satisfaction. Et aussi, une autre consolation qu'elle a eue, c'est que
à Sainte-Anne, ils ont eu un grand sanctuaire qu'ils ont nommé en l'honneur de Sainte-Anne. Et là, il y avait une grande, grande chapelle, la construction d'une grande chapelle. Puis là, on savait qu'elle était malade, puis là, il disait, en voulant dire, meurs pas de suite. Elle dit, non, elle dit, je sais que je vais célébrer l'Eucharistie là. Bien, pas elle présider, mais je vais participer à l'Eucharistie dans cette chapelle-là. Mais par contre, elle dit probablement que vous allez, c'est les premières funérailles, ce sera les miennes. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Parce que quand il va se préparer, c'était pour la fête de Noël, finalement, la première fois qu'il y a eu une célébration dans cette belle chapelle. Elle n'était pas encore tout à fait terminée. Mais elle s'était rendue avec les malades en avant. C'est en avant que les malades. Comme dit le biographe, soit parce qu'elle voulait mieux entendre, puis aussi à cause de son état de santé, comme dans la chapelle, à cause de la construction qui était plus ou moins finie, plus de chances de prendre de froid, donc c'est un petit peu plus chaud en avant. Mais par contre, quand la supérieure est arrivée, elle avait assigné, elle, à chacune des places. Et là, quand on a vu qu'elle était en avant, on lui a fait signe d'aller prendre ses places avec les autres. Et là, elle va attraper vraiment là, son coup de mort, parce que là, avec le froid qu'elle va prendre, là, c'est ça qui va la rachever finalement. Et là, bientôt, ça sera la fin. Et là, on est le 31 décembre. Et elle est morte le 2 janvier. Donc, on y apporte l'extrême onction, etc. Et là, son état de santé est vraiment là, sur la fin. Et non seulement à la mort prochaine, nous entrevoyons pour notre sainte fondatrice, mais au martyr du cœur et de l'esprit qu'a enduré cette incomparable mère. Oui, c'est qu'elle se relate à l'esprit ce qu'elle a pu endurer aussi. C'est pas seulement la mort, dans le fond, qu'on entrevoit, mais aussi tout ce qu'elle a vécu aussi de pénible. Et là, on demande à Sœur Marie-Michel, une de celles qui était proche d'elle, qui était aux États-Unis. Puis là, elle vient, puis là, elle s'entretient avec elle. Même, elle lui dit, voyez-vous, même encore des conseils. Elle dit, faisons de cette année une année sainte. Que l'Eucharistie et l'abandon à la volonté de Dieu soient notre ciel sur la terre. Voyez-vous, même à... Et elle s'abandonne simplement, même elle s'abandonne complètement à son infirmière. Elle dit, dites-moi ce que je dois faire, puis ce que je dois prendre, puis je vais le faire. Je vais obéir. Et dans l'après-midi du 1er janvier, veille de sa mort, tout le personnel du noviciat vient auprès d'elle, puis tout ça. Puis là, même, elle demande encore pardon pour tout ce qu'elle a fait à la communauté. Et puis, sa dernière volonté, avant de partir, c'est demander de faire venir notre directeur, l'abbé Maréchal. Et puis là, elle fait venir pour l'édification de la communauté. Et même Marianne est morte le 2 janvier 1890, à l'âge de 80 ans, 8 mois et 14 jours. Et à sa mort, sa communauté, donc elle quitte sa communauté, 42 établissements répartis en 6 diocèses, 23 dans le Québec, 8 en Colombie, 9 aux États-Unis et 2 en Alaska.